Un peu long ce chargement là. Oh putain. La musique commence, le suspense est à son comble. Va-t-il charger? Un jour, j'aurai une machine qui me permet de pas avoir des chargements trop longs. Un jour. Ça commence à me faire un petit peu rager d'ailleurs, d'attendre que ce jour arrive. Ah bon, j'avais un PC, c'était une merde, je faisais rien tourner dessus. Comme j'y connais rien en informatique, je me suis dit bon, finalement les PC c'est peut-être pas vraiment pour moi au final. Je me suis payé un abonnement à Shadow et c'est toujours la merde. Ça fonctionne très bien, c'est juste très long à charger. Ah, ça y est. Enfin. Alors, où on en était, nous? J'ai zéro quête. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ceux qui sont sur le chat et qui connaissent le jeu déjà, n'hésitez pas à me rencarder, j'accepte toujours les conseils. Alors, Madame Oprah va déterminer si vous avez l'âme d'un serviteur de l'Ordre des âmes. Ok, mais moi ce que j'aimerais bien c'est savoir ce que vend l'Ordre des âmes, en fait. Offre des récompenses. La récompense dépend de votre réussite. Aidez-nous un peu. Aidez-nous un peu, vous n'aurez rien. Ok. Étonnez-nous et vous verrez que l'ordre sait se montrer généreux. Ok, mais... D'accord. Nous disposons de lanternes et de chopes mystiques possédées par des âmes dont nous n'avons plus l'utilité. Ouais. Donc c'est juste pour des putains de lanternes et des chopes. Ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. On va aller chercher des trésors plutôt. Alors toi le con du cul, hein. Toi tu fais juste vendre. Forban, ok. Donc toi a priori c'est des pelles et des boussoles, mais... Y'a pas un truc qui permet d'avoir des meilleurs fusils, des... Tiens toi là. Loup de mer. Le stuff loup de mer a l'air d'être sympa, mais... Ouais. Pourquoi pas?
Le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir si on peut pas avoir un aperçu. Non, je veux pas acheter, je veux voir. Bon, on va farmer un peu. Et on verra bien. Donc, qui peut me donner des quêtes ici? Oh, nice to see you. Voir ce que. Quel genre d'arme me recommanderez-vous? Tiens, ouais, ça c'est une bonne idée. Ok. Donc c'est assez cher. Good luck and goodbye. Mais c'est pas ça qui me donne des quêtes. Alors, enquête. Il y avait la meuf là-bas. Je crois que là, ils peuvent me filer des quêtes là, juste en face. Boulet de canon, prendre. Oui, on va en prendre. Voilà. Quickly, I'm really busy. T'as un navire à construire. Ok. Ah mais non, I'll see mais you on non. the seas. Qu'est-ce que vous avez en stock en ce moment? Pas vraiment le temps de vous tenir la main. Ok. Et les quêtes? Non, pourquoi faire? Vous avez des canons de gros calibre. Ok. Et alors il me semblait qu'il y avait des... Toi. Voir les offres de l'Alliance des marchands. Ok, donc là il va y avoir des quêtes là. La relique fantaisiste de la pitoyable Miss Auberg. Ok, ça on va le prendre. Le contrat courtois de la pitoyable Miss Tarrant. On prend aussi. Et la commande tapageuse du pitoyable Monsieur Grove. On va prendre aussi. Et on va se concentrer sur ces quêtes-là. Mon navire, il est là. Alors, à savoir que je vais être tout seul pour naviguer. Ça va être la première fois que je vais le faire. Ça va être drôle. On va bien rire. Je sens que ça va puer la merde. Donc... Ici, proposer un voyage. Alors, je vais me proposer à moi-même, hein, parce que. Alors, t'as-tu livré la cargaison d'un client pitoyable lors de ce voyage de mise à l'épreuve? Écoute, on va faire ça, hein. Ok, et ma quête est là. Deux poules à plumage blanc. Avant-poste Galleon Grove, le 29 avant 19 h. Donc, ça, en gros, faut que je me mine, quoi. Deux poules à plumage blanc. Ok. Où est-ce que je vais trouver des poules à plumage blanc? Déjà, où est le truc Grove machin là? Galleon Grove, ça doit être. Oh, j'ai déjà oublié. Galleon's Grave, hein, je crois. Ok, alors on va faire comme ça. Non, c'est pas ça. Ok. Galleon's Grave. Ok. Donc c'est bon. Et maintenant, il faut que je trouve des poules. Des poules de merde. On va aller à Sunken Grove. Isle of Last Worlds. On va faire ça. On va faire comme ça. On va essayer ça. Ouais, ça me paraît bien. On va aller là où le vent nous mène. Donc, merde, non, pas ça, voilà. On va relever l'ancre déjà. Ça avance si je fais ça? Non. On va charger les canons. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Comme dirait Christophe Maé. Ok.
Maintenant, les voiles. Longueur de la voile, définir. Ça me paraît être une bonne idée. Comment on fait? Yes, c'est impeccable. Là, je me sens un peu à contrevent. Ou pas? Holy shit. Bon, alors on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais aller tout droit un peu. Là, je vais par où? Ok, donc. Merde. Donc c'est pas du tout là. Yo, Ziu. Et première fois en solo, ouais. Exactement. Disons qu'en fait j'ai déjà joué en duo avec un pote et là comme il n'est pas là c'est ma première fois en solo ouais. Donc c'est un petit peu la galère au niveau de la navigation. Je vais pas te mentir, je pense que ça risque d'être assez cocasse ou chiant ou les deux. Est-ce que je vais au bon endroit? Ça me paraît pas dégueulasse. Mais écoute, éventuellement, je vais essayer de faire cette petite quête-là en solo pour voir ce que ça donne. Mais éventuellement, si ça te tente, après, on peut peut-être partir en duo, ouais, avec grand plaisir. Donc là, déjà, ma voile, elle prend pas le vent. C'est parfait. Le vent, il vient de par là. Alors je sais pas si tu m'as répondu un truc sur Twitch, Ziu. J'ai eu un petit problème avec le deuxième écran, j'utilise un PC portable. Et j'ai eu une petite coupure. Du coup, si tu m'as répondu, je n'ai pas pu voir. On jette l'ancre ici. Ouais, putain! Non! Ouais, on va se mettre comme ça. Voilà. Bah écoute, ça me paraît pas dégueulasse. On va éteindre les lumières parce que je suis un peu une petite couille et j'ai pas envie qu'on vienne me péter. Voilà, là on sent le mec, tu vois, qui camouflage quoi. Eh ben écoute, c'est super gentil, j'accepte volontiers. On va dire que comme j'ai commencé récemment en fait le jeu, j'ai fait une tentative avec un pote. Ça devait être avant-hier, je crois. Et là du coup c'est la deuxième fois que je lance le jeu, donc effectivement j'y connais que dalle. Donc c'est surtout au niveau des quêtes, les récompenses que ça va donner, etc. Toi, je sais que tu m'empoisonnes la gueule. Ah ouais, ok, d'accord. Non, t'as pas envie de te faire toucher par le... Non. Si, voilà. Donc c'est un serpent apparemment très résistant. Donc, j'ai cru comprendre que je vais te bolosser autrement. Voilà. Par contre, là où je viens de me rendre compte que j'ai fait de la grosse merde. C'est que logiquement, je suis censé être venu ici, oh shit, pour récupérer des poules. Sauf que j'ai oublié de prendre des cages. Voilà, c'est ça. C'est comme tout bon noob qui se respecte, j'ai lancé le jeu sans trop me renseigner. Voilà, j'ai fait. Un peu comme beaucoup de monde, j'ai suivi la hype en fait qu'il y avait autour du jeu, donc j'ai regardé quelques streamers. Et là, je me lance un petit peu à l'aventure à l'arrache.
Ce qui fait que tu vois, là, j'ai une quête où en fait je dois récupérer des poules que je dois rendre avant 19h le 29. Donc je crois me souvenir que pour voir ça, c'est avec une montre. Donc là, on est le 24. Sauf que j'ai pas pris de cage. Et je me sens un peu con dans mon cul, en fait. Donc on va faire un demi-tour. Et on va aller chercher des cages que j'aurais dû prendre. Eh ben écoute, à la rigueur, on va partir à deux tout de suite, ouais. Tiens, regarde, je vais quitter la partie. Toc, comme ça on va se rejoindre, tu vas m'ajouter. Ce que je vais faire, c'est je vais faire une coupure du stream 2 secondes. Oh, quoique. Tu vas m'ajouter en fait sur le truc Xbox. Donc c'est, je pense comme tu t'en doutes, c'est Erinfel, hein, comme sur le stream. Moi pendant ce temps-là, je vais faire la petite coupure, comme ça on verra pas mes mots de passe, mes fenêtres et tout ce que tu veux. Et ben voilà! Bon, parfait. Ajouter un ami. Eh, c'est pas beau ça? Vous a ajouté comme ami. Sauf que là, ça me dit Mekatwan vous a ajouté comme ami. Ça, c'était genre avant-hier en fait. Hop, vous invitez à chatter. Nickel. Ah bah, du coup, on va voir toutes mes fenêtres. Parfait. Allô, allô? Bonsoir. Juste, vu que tu es sur PC, tu préfères peut-être qu'on aille sur un Discord? Peu importe, C'est comme l'appli. tu veux. Ok. Non, parce que l'appli Xbox merde pour certains joueurs PC. Donc si c'est pas ton cas, tant mieux. Mais si c'est ton cas, je peux aller sur Discord. Ouais, écoute, a priori, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et au pire, si on voit que ça merdouille, je te filerai un Discord. Et puis, Ça marche. et On fait puis on se ça. fera ça peinard. Ok, nickel. Tu lances à deux et tu m'invites? Tu veux que je le fasse? Ben écoute, on va faire. Je vais t'inviter. Hop, petit équipage de Vas-y. sloop. Donc ouais, comme je disais, je me lance un petit peu dans l'aventure à l'arrache. Ah mais c'est... Bon, c'est un peu couillu, parce que c'est vrai que partir sur le jeu sans rien connaître, c'est chatonne. C'est totalement ça. Mais en fait, j'ai un pote, en fait, on a acheté le jeu ensemble. Et on avait commencé une partie, ouais, je te dis avant-hier. Et bon, comme il peut pas être connecté non plus à H24, là je me suis dit, allez, je vais pas l'attendre à chaque fois pour jouer, je vais le lancer et puis. Ok. Fais gaffe, hein, il y a des chances que tu deviennes accro au jeu et que tu passes 12 heures par jour. Eh ben, il y a de fortes chances que ça se passe comme ça en fait. Les jours où je vais Il y être a de une chance sur repos, deux. voilà, les jours où je vais être Ah de ouais, repos et ok. où je vais être tout seul chez moi, je pense qu'il y a grave moyen. Alors, tu t'inquiètes pas, si le chargement est un petit peu long, je plaide coupable, c'est de ma faute, je ne joue pas à proprement parler sur un PC. Je suis un heureux détenteur d'un Shadow. Ah. Et Shadow, c'est très bien, mais c'est très lent. Oui, il paraît. Donc Ok, bah de toute façon, je suis sur Xbox, donc même si ça prend 10 minutes, tu seras quoi avant moi? Ah! Non, je Parfait! déconne, Oh bof! j'ai 1 minute avant. Ça m'empêche pas de jouer. Non, bah moi non plus, tu vois, en fait, en général, c'est les premiers chargements qui sont casse-couilles après. Ouais, c'est ça. C'est genre si je vais jouer à un MMO, en fait, si tu préfères l'écran de sélection de personnages ou de login, en fait, ça va être un temps de ouf. Mais après, en jeu, ça va être peinard, quoi. Ok. Ouais, et puis je vois que tu Ouais. diffusais en 720-60, donc t'as une bonne couche, je suppose. J'ai a priori oui une bonne courbe, je suis fibré donc. De toute façon en général pour utiliser un Shadow il faut être fibré ou minimum du VDSL 2. Mais bon. Ouais, j'imagine bien. Bon Ah. c'est juste en fait la liaison entre le boîtier que tu as chez toi et ton PC qui est sur un serveur à Paris. Qui fait que les temps de chargement sont ouf. Mais même, ça c'est même pour des jeux solo.
Bon, après, si c'est qu'un temps de chargement, moi, de temps en temps, c'est pas très grave. Non, bah ouais, voilà, en général, c'est juste un temps de chargement. Après, maintenant, les jeux, t'as plus vraiment beaucoup de temps de chargement au cours du jeu, quoi, donc c'est Ouais, pas c'est ça, gênant. t'en as un au lancement et derrière. C'est ça. Bon, alors attends, je commence direct. Premier réflexe à faire quand t'arrives en jeu, tu récupères tous les bananes, boulets et planches que tu trouves. Voilà, ça, j'ai complètement oublié de le faire tout à l'heure. C'est. Voilà, c'est le premier réflexe. Là, On je suis appelle ça parti à faire des. l'aventure, mais c'est. Ah oui, non, mais je sais, là, c'est. T'inquiète pas, je vais pas te gaver d'informations, tout Ah non ça, non mais c'est mais que, voilà, c'est le au premier contraire, réflexe. si t'as des informations comme ça qui sont franchement utiles ou indispensables, hésite pas à me les donner, bien au contraire. Je Ah vais bah pas dire écoute, on va pas ouais lui c'est arrêter. un relou, il fait le mec genre il sait, il me laisse pas découvrir, non. J'aime bien découvrir mais j'aime bien ne pas faire de la merde aussi. Bah, surtout sur un jeu comme ça où la coopération elle est essentielle. C'est ça, C'est bah de assez toute façon je important pense donc. que c'est un jeu coopératif, hein. Tu peux Oui, non t'amuser mais un en peu tout seul, mais solo. moins. Tu verras, tu réessaieras en solo plus tard quand tu auras bien compris. Tu verras qu'en solo ça n'a quasiment aucun intérêt. C'est frustrant, c'est long, c'est chiant, Bah, c'est. j'imagine. Et pourtant, je suis un grand défenseur des jeux solo. Mais sur celui-là, c'est pas possible. Pas pour le moment, en tout cas. Non, bah moi c'est ce que je me dis aussi. Après, bon là c'est parce que j'avais le choix, soit j'avais envie de streamer. Parce que comme tu peux le voir au nombre d'abonnés, etc., je suis un très grand streamer ultra reconnu. Et du coup, en fait, j'avais envie de streamer, voilà, pour le plaisir. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui regarde, tant mieux. S'il y a personne qui regarde, je m'en bats les reins. Et du coup, c'était soit je faisais un petit peu de Sea of Thieves, soit c'était du Far Cry 5, soit du Vermintide 2. D'accord. Donc Ah, comme ça y est, t'as fait le Vermintide bon 2 choix. m'a gavé et T'as que pris le Far bon. Cry 5, c'est, j'en suis à la fin, j'ai dit, allez hop. Non, mais t'as fait le bon choix. C'est le meilleur jeu parmi les trois. Ah, écoute, le meilleur, je ne sais pas, en tout cas c'est celui auquel j'avais envie de jouer. Mais si, c'est le meilleur. Voilà, même Écoute, si a on se fait chier, mais on priori. stoppe dessus, c'est trop bien. Alors après, t'es pas obligé, voilà, t'es pas obligé de tourner à mort, quoi. Les barils que tu vois sur ta route, tu les vises. Ouais, non, mais Pas besoin je de. tourne pas à mort. Là, c'est juste que, bon, banane, apparemment, j'ai l'air d'être full, planche aussi, boulet aussi. Écoute, Voilà. ça m'a l'air pas trop dégueu. Et l'idée ensuite, c'est de ne pas les garder sur toi, mais de les stocker sur le navire. Avoir des D'accord. ressources sur ton navire. Ok. Parce que les ressources de base, elles partent très très vite. Alors, attends. Donc là, non, qu'est-ce qu'il y a? Bananes, planches et les Ça a l'air. boulets sont sur le pont. Ouais, ça ici, ça a l'air d'être full, tout ça, de toute façon. Hop. Et les boulets sont là. Les boulets ont l'air d'être full aussi. Ok. Ah bah tiens, juste derrière, on a une épave. Je sais pas si t'en as déjà visité des épaves, c'est Pas du marrant. tout. Ok, bah, nickel, tu pourras découvrir ça tout de suite. Et donc, quoi, ouais, tu disais éteindre les lampes, c'est voilà, parce que t'es un petit joueur. Pas du tout. Sur un sloop, il faut les éteindre. Sinon, t'es Ok. cramé à 2 miles nautiques. Sur un Bah sloop, écoute, jouer lumière parfait. allumée, c'est. Faut en avoir des grosses. Faut Surtout être quand on trop est tout chiant pour seul, je voter. pense. Oui, voilà. Faut pas. Même sur un galion, au final, c'est toujours éteindre les lampes. Alors, juste une Il n'y a petite que question. ceux. Vas-y, vas-y, Oui. termine, termine. Alors j'allais dire, même sur un galion à 4, ceux qui allument les lumières, c'est soit ceux qui sont nuls, qui savent pas ce qu'ils font, soit ceux qui sont ultra chauds en PVP et qui ont pas peur, qui sont sûrs d'eux. C'est l'un ou Ok, l'autre. alors moi je suis un très mauvais joueur Donc. PVP déjà, pour commencer. Bah c'est Alors, important. tu me parlais d'une épave. À quoi tu vois l'épave? D'ici je vois rien. Est-ce que c'est les oiseaux là-bas qui Bah. tournent en rond? Ouais, c'est ça, c'est les mouettes. Quand il y a une trentaine de mouettes comme ça veut dire qu'en dessous, dans l'eau, il y a une épave avec des loots random. Eh ben écoute. Voilà. Et si je dis 30, parce que maintenant, il y a aussi, enfin depuis 2 semaines après la sortie du jeu, il y a une mage. Ouais. Relève peut-être pas tout de suite, toi, après une 14. Des fois, tu verras moins de 20 mouettes, une dizaine, c'est-à-dire qu'il y aura des barils à la mer où tu pourras récupérer des ressources. Ok, C'est comme d'accord. ça qu'on différencie épave et baril. Quand on en a plein, c'est des épaves. Quand on n'en a pas beaucoup, c'est des barils. D'accord. Eh ben, c'est bon à savoir. Ah, toujours activer une quête aussi avant de partir. Enfin, toujours Alors, être normalement, minimum. j'en avais une qui était. Ah, bah, elle a été supprimée tout à l'heure quand j'ai quitté. Je vais peut-être aller la chercher. Elle est juste là, normalement. Bah, c'est quel type de quête que tu veux en fait?
Euh, Toi, alors en tu sais fait, ce qu'il y a? eh ben à la base, en fait, moi quand j'ai commencé avec mon pote, on avait fait la quête chez Oprah, là, la meuf qui te file les trucs des âmes. Oui. Donc c'est les crânes. Et là, je me suis dit, je suis tout seul, donc C'est ça. faire le PvE, claquer la gueule des squelettes et tout, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc je m'étais dit, peut-être de la découverte de coffres ou des machins comme ça, et c'était là-dessus que j'étais parti. Ok, bah je te propose de commencer par le classique, un coffre. On commence tous par là pour voir un peu ce que ça donne. Et Qu'est-ce ben, que du t'en penses? coup, il me semble qu'il me reste Non, une du quête à coup. prendre chez lui. Non, ça l'a. Ah ouais, ça l'a Oui. réinitialisé la quête, elle y est plus. D'accord. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà deux là à faire. Ouais, c'est des quêtes de quoi aussi? C'est des quêtes marchandes? C'est. Je crois que c'est ça. Attends, voyage. Le contrat courtois de la pitoyable Miss Tarrant. Livrer la cargaison. Et l'autre, c'est livrer la cargaison. Ouais. Ben ouais, c'est bleu. La couleur, elle est bleue. C'est ça. Ouais, Et ok, c'est donc c'est ça où je m'étais marchand. fait baiser, où il me fallait des cages en fait. Ouais. Donc là, tu vas plutôt prendre une quête ici. Donc là, j'ai plus Ouais, ça qu'une va être place pour une cool. quête, hein. Ça suffira, t'inquiète pas. Au Ok. pire, tu la poseras. Si tu veux de la place, il faut poser les quêtes et tout le monde les annule derrière. Il n'y a pas Ok, moyen d'accord. d'annuler les quêtes que tu as sur toi. C'est un des innombrables conneries et défauts du jeu. Ne pas pouvoir annuler une quête que tu as déjà. Eh ben, écoute, moi celle-là, elle est prise, du coup je suis full. Parfait. Et du coup, faut Bah, pas que j'oublie de continue prendre sur des ma lancée. cages. Bah non, parce que là, c'est une quête de coffre. On va aller Ouais, mais faire des j'en ai deux coffres, autres, du j'en ai coup. deux autres. Dans les voyages, Oui, j'ai mais faut aussi. d'abord. Ouais, mais on peut activer qu'une seule quête à la fois. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il serait pas plus judicieux qu'on prenne les cages genre dans le bateau, comme ça on fait toutes les quêtes en On suivant? peut faire. Non, enfin, le truc, c'est qu'on peut faire ça, mais le problème, c'est que vendre des animaux comme ça, quand c'est pas demandé par des quêtes, ça rapporte que dalle. Ça rapporte 10 fois moins que des animaux. Ah, du coup, les cages, en fait, Avec ça. on active les cages en activant la quête, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu lances la quête et tu peux Ok. récupérer les plages. D'accord, ok, je pensais qu'il fallait que je récupère des cages quelque part, que je les mette dans le bateau, que j'active la quête et. Ok, Non, d'accord. non, quand tu lances la quête, en fait, tu vas parler ici, Ouais. à la nana ou au mec des quêtes, et il va te donner toutes les pages qu'il te faut. Ok, d'accord. Eh ben écoute, on va Il faire saura le les coffre et trouver. puis on verra pour le. Ouais. Mais effectivement, d'accord, c'est bon à savoir. J'allais me galérer le cul pour pas grand-chose au final. C'est ça. Donc là, tu peux venir poser ta quête pour qu'on la valide. Effectivement, toc. Alors, le coffre volé, toc, voté. Voilà. Ah, forcément, c'est une quête niveau 1, donc il n'y a que deux coffres. C'est normal qu'il y a deux. Je vois que j'ai deux trucs dans mes quêtes. Ouais, c'est ça. En fait, ouais, Ok. c'est juste que là, c'est une quête avec plusieurs coffres. C'est juste ça. Ok. À plus haut niveau, à plus haut niveau, tu pourras voir plusieurs croix sur chaque carte. Alors par contre. Bon alors. Est-ce que tu veux que je te dise où est-ce qu'elles sont? Écoute, j'imagine qu'il faut que je repère la forme de l'île et que je trouve sur la map. Donc C'est j'imagine ça. que c'est celle-ci. Ça, là, c'est Devil's Ridge. La deuxième, par contre, c'est une petite, je connais pas très bien, mais normalement, c'est dans les environs. Elle est pas très loin. Alors, ça ressemble à. C'est une petite. Ouais, tu peux zoomer, ça sera plus simple parce qu'elle, elle est Ouais. petite. Sans zoomer, t'auras du mal à la voir. Ah, Et attends, je crois que ben, je l'ai vu. ça a l'air d'être Mutineer Rock. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Tac, voilà. Et du Ok. coup, on va d'abord à l'épave. Oui, l'épave, exactement. Yes, impec. Eh ben, écoute. Donc Voilà. avoir de l'ancre, jeter la voile, braquer complètement. Je vais tourner la voile. Tac. Ouais, comme ça, j'aurais été plus intelligent de la relever après, parce que là on va avancer. Comme ça, là on n'avance pas trop, on fait contourner. Vas-y, je prends les conseils d'un navigateur. Je prends les conseils de l'Olivier de Kersauzon de Microsoft. Olivier de Carsozon, Tu connais qui pas est-ce Olivier de donc? Kersauzon? C'est un Ah navigateur. non. D'accord. C'est un gars qui a bouclé le Vendée Globe, etc. D'accord. Non, non, on va connu au bataillon. Bon après,
Je sais pas si on est de la même génération, ça doit peut-être jouer aussi. Moi perso j'ai 30 Bah, piges j'ai donc. 20. J'en ai 24, je suis pas si loin, mais. Ouais. Bon, t'as dû peut-être des gens entendre parler vite fait, mais sans. Possible, ouais. Là, si tu veux que je passe réellement pour un vieux, enfin plus vieux que mon âge, je peux te dire, il fait partie des grosses têtes. D'accord. Et là, je passe vraiment pour un vieux. Je remonte la voile, non? Oui. Non, tu peux la laisser. D'ailleurs, je pense à ça. Ça fait L'encre quoi est. si on jette l'ancre, mais que la voile est mise, genre ça nique rien sur le bateau? Non, ça fait rien. Il n'y a aucun réalisme par rapport à ça. D'ailleurs, Ok. c'est même un succès. Que tu jettes l'ancre quand t'as la voile levée et la barre complètement tournée. Tu fais un demi-tour à 180 degrés si tu vas assez vite. C'est une manœuvre D'accord. qu'on fait souvent en cas de tour. Donc là, Holy voilà. shit. Redescendre, voilà, tu vois. Voilà. Une épave. Ok, alors. Donc là, J'espère qu'il va le pas y avoir doute de est rentré requin. dedans. Ah si, ça va forcément popper. Ah! Alors moi je suis pas un grand fan des fonds marins en fait. Je suis assez Ah, je suis phobique pas de tout trop fan ça. non plus. Ouais, non, je suis pareil, mais franchement, on s'y fait. Moi je suis le genre de mec, je sais pas si t'as déjà joué à un jeu qui s'appelle Subnautica. Toujours pas. Alors je te le Je compte conseille. le faire un de ces quatre. Mais alors il me fait un peu flipper, mais ça passe dans le sens où en fait c'est pas des animaux réels en fait. D'accord. Vu que c'est sur un monde alien, mais honnêtement, quand tu es en petit sous-marin de merde et que t'as plus de 1000 mètres de profondeur, tu fais pas le malin. Ah bah j'imagine bien. Bon et là du coup dans l'épave il y a des loots qui sont aléatoires ou un peu n'importe où dedans. Là par exemple j'ai trouvé un crâne de merde tout au fond. Mais bon c'est un crâne gratuit. Oui, bah écoute, on va pas s'en plaindre, hein. C'est ça. Alors, moi j'ai surtout peur de m'étouffer la gueule. A priori, je peux. Ouh, ça Si. commence à pleurer là. Si tu commences à t'étouffer, tu peux manger une banane pour regagner de la vie. Oh, sérieux? Bah oui, ça Ah redonne ouais. de la vie donc. C'est pété? Oui, c'est débile, c'est des bananes oxygénées. C'était très tendance à l'époque. Donc, ouais, si tu vois un truc, tu le prends et tu le ramènes sur le navire. Bah écoute, pour l'instant je suis en train de faire le tour. Mais J'ai rien vu de spécial à part le crâne. non, j'ai bien l'impression qu'il y avait que ça. Après, c'est comme on appelle ça une épave d'outpost, une épave d'avant-poste. Et du coup, il y a de fortes chances qu'un autre navire s'y soit déjà passé vu qu'elle est juste à côté. Donc, c'est pas étonnant qu'elle soit vide. Vu qu'en fait, elles ont des pops aléatoires. Genre là, si elle est complètement vide, dans 10 minutes, elle disparaît. C'est pas des emplacements assez fixes, mais tu vois, ça va pas bien, ça repart. Ok. Non, Bah... j'ai rien trouvé. Non, bah moi j'ai rien vu de spécial non plus. Écoute, il y a déjà un crâne, on va pas se plaindre. Il faut se Ouais, contenter des fois c'est de ça. peu. C'est ça. Et donc là, le cap c'est plein sud, c'est la grosse Ok, île. eh ben écoute, je relève l'ancre. Toc, et plein sud. Bah ouais, l'île à tribord, là, la grosse qui part en pointe. Attends, celle-là, la voile, je crois qu'elle est. Tu pourras rien faire de plus. Ouais, on est Le à vent, il est contrevent. trop. On va se laisser porter un petit peu. Oui, c'est pas très loin. Alors, est-ce que c'est Je vais aller un derrière? petit peu à tribord. Je crois Ouais, bah, qu'on. je vais Ouais, nous c'est bon, amarrer. t'y es. Ok. Ouais, je vais nous amarrer derrière l'île, juste à côté du coffre. Ça, on n'aura pas Impec. tout traversé. Tout ça. Du coup, t'as déjà cherché des coffres? Jamais. Avec le pote, nous, on a juste fait des îles où il faut péter les squelettes et les capitaines pour amener les crânes. C'est le seul truc qu'on a fait. D'accord. Bah, t'as déjà compris un tiers du jeu, du coup.
Bah écoute, si. Oui, de toute façon, le jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment du farm. Tu farmes tes crânes, tu farmes Ah tes ouais, non coffres. mais. Ah, c'est ça, en 2 soirées, t'as fait le tour de tout ce que je propose, hein. Après, j'ai vu qu'ils allaient pas mal. Enfin, il y avait quand même du contenu qui allait être ajouté. Oui, bien sûr. Il y aura du contenu visiblement PVE. Donc. Oui, bah le premier qui arrive là, c'est en mai. Je sais pas si c'est début ou fin mai. Mais ouais, il y aura des événements hebdomadaires, un nouveau style de PVE. Fin juin, il y aura de la customisation, un bateau en plus, encore du PVE. Et en été, pareil, tout PVE en plus. Non, bah ça c'est franchement cool ça. Ouais. Après, voir ce que ça va être au juste, mais ouais. Leur but en fait avec ce jeu, c'est de le faire vivre pendant 5 ans. Bon, c'est très optimiste, hein, 5 ans. Mais ouais. Après, tu sais, c'est peut-être vraiment optimiste de ma part de dire ça, mais je me dis que la boîte qui fait ça, c'est quand même Rare. Rare, ils ont jamais vraiment pondu des grosses merdes. Je pense aux vieux jeux qu'ils faisaient à l'époque. Si je me trompe pas, c'est eux qui avaient fait les Donkey Kong Country et tout le bordel. C'est Ouais, eux c'est aussi, bien. je crois, qui avaient fait Banjo et Kazooie. C'est eux. Les Killer Instinct aussi. Oui, t'as le Donc, souvenir. on en pense ce qu'on veut, mais à l'époque, c'était des jeux qui étaient très aboutis. Et du coup, je me dis, je vois pas pourquoi ils faisaient à l'époque des jeux aboutis et qu'aujourd'hui, ils feraient de la daube. Après, voilà, je peux me tromper, hein. Ça serait bien que je Verra. prenne la bonne carte. Voilà, tac. Bon alors là, je peux t'expliquer un truc pour t'orienter facilement avec une carte au trésor. Parce que là, l'île, elle est grosse. Du coup, c'est un peu la merde pour s'orienter. L'île, quand tu l'as, en fait, elle est toujours orientée bah, le nord est en haut, le sud en bas. Ouais. C'est toujours bien. Donc là, quand tu arrives sur une île, t'as qu'à prendre ta boussole, tu te mets en direction du nord et tu prends ta carte. Comme ça, tu es dans le même sens que la carte. Et t'as une idée d'où est-ce que tu es. Ok, Si je me fais alors bien attends, comprendre, oh si si, tout à c'est un fait. peu compliqué. Alors au nord, ok. Donc là, on est sur la rive sud, on est sur la rive avec les coffres. Il faut trouver où est-ce que c'est là-dessus. Alors, de toute façon, sur la carte. Écoute, pour moi, ici, on serait pas trop mal. Non. Quoique, attends, non. Non, non, c'est un peu plus loin. Parce qu'il y a de l'herbe juste au-dessus. Voilà, c'est ça. Et ça serait dans le creux ici. Je pense. Bah vas-y, tu peux sortir ta pelle et ça y est. Bien Oh! joué. Ah ouais, mais monsieur a une pelle dorée quoi aussi. Ah! Ah bah oui. Là, on sent que le En mec fait, il est c'est pas la. venu là pour poser de la moquette quoi. La pelle dorée et tout. Non, non, c'est. Après, je l'ai prise parce que voilà, c'est la pelle level max chez les mecs des coffres, mais c'est pas la plus belle. Elle est un peu trop bling-bling. Ouais, bon, de toute façon, je pense que le but du jeu, c'est de se bling-bling un peu la gueule, hein, quand même. Ah, je suis pas trop d'accord. Enfin, pour ma part, justement, je préfère jouer des trucs que personne ne joue. Mais J'aime moi, bien être j'avais un vu un truc peu qui était plutôt unique. classe, mais après, il n'y a pas l'air d'en avoir full, quoi. De C'est. quoi? Alors, attends. X, je crois, pour poser. Parfait. Ça, en fait, j'avais vu au truc des âmes, là, il y avait, ils proposent lanterne et échoppe, mais Oui. j'aurais trouvé ça cool. Après, je me trompe peut-être en disant ça, mais j'aurais bien kiffé qu'ils fassent plus d'accessoires de ce type-là, en fait. Le type un peu fantomatique et tout, j'aime assez. Ah ouais. Mais ouais, malheureusement, bah c'est la lanterne que j'ai là, justement. Du coup, là, il faut annuler le voyage, non? Bah Bah non, non. pas annulé, on a une deuxième carte. On a une deuxième carte à faire. Ah bah oui, merde, je suis con. Putain. Oui, c'est vrai que je suis pas obligé de l'activer, l'autre, oui. Donc l'autre, on avait dit... Elle est... Oh bah, quasiment en face. Je te laisse, ouais, ça va aller pour nous diriger là-bas? Je Tu fais pense, pas de écoute. soucis? Ok, non, parce que juste, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais juste répondre. Vas-y, vas-y.
semble, d'après ce que j'ai pu voir, il faut que je contourne. Yes. On va esquiver la tempête, en plus c'est parfait. Ah, j'imagine que la tempête c'est un peu la merde. C'est très chiant. C'est stylé mais c'est très chiant. Ta barre part dans tous les sens, ta boussole ne fonctionne plus, tu prends des fonds, il y a de l'orage et la pluie remplit ta pelle de flotte en continu. Ah, c'est super casse-couille. Bon, écoute, moi j'ai vu qu'il y avait un kraken, tant qu'on peut éviter le kraken pour l'instant. Sur un sloop on risque rien. Il nous attaquera pas sur un sloop. Ah ouais? C'est minimum à gagner. Voilà. D'accord. Du coup là tu pourras prendre un petit peu plus à tribord légèrement. Bah c'est en face. Ouais ouais. Ouais. Ouais non, le kraken c'est minimum à gagner. Et en fait plus les joueurs sont regroupés entre eux, plus il a de chance de pop. Mais ça reste complètement à la fin. Oui, t'as moins de chances de choper le Kraken si t'es le seul galion des kilomètres à la ronde. C'est ça. Ça arrive, mais ça. Et même globalement, les attaques de Kraken, ça, c'est. Et j'avais. Que j'ai eu, c'était après genre 100 heures de jeu. Donc... Ah oui. Parce que moi, j'ai cru lire un truc. Alors là, c'est pareil, c'est un souvenir, mais je sais pas si c'est un bon souvenir ou pas. J'avais cru lire qu'il y avait un mégalodon si qu'elle est arrivée. On est juste à côté là, ça va? J'ai juste. Ouais, non, mais j'ai redressé parce que sinon le sloop il va aller dans le pied de l'autre côté. C'est pour ça. Et le mégalodon, ouais, en fait c'est juste supputé, mais on n'en sait rien. C'est comme les baleines ou quoi. On se dit, ouais, il y aura peut-être ça. Eh, des squelettes, les petits bâtards! Ah! Alors. C'est des squelettes level 1, ça se tue en 3 coups. Oui. Ils ont pas l'air bien, bien méchants. Non. C'est dans l'espèce de forêt ici, j'imagine. Il m'a l'air d'être par là. Oh. Parfait. Là, par contre, ça change là parce que là, les deux coffres qu'on vient d'avoir, c'est les deux coffres les plus nuls du jeu. Ah, bah écoute, c'est moi pour l'instant, en tant que marin d'eau douce, je me contente de peu. Ah, oui, c'est normal. Et donc là, tu vois, voyage terminé. Donc, voilà, on a fini la quête. D'accord. C'était une quête en deux cartes, une sur chaque. Ah, de toute façon, c'est les quêtes level 1, donc j'imagine que c'est le mode noob. Oui, voilà. C'est ça, c'est pour. Où ils sont pas trop vilains, ils te mettent les quêtes sur des îles à proximité et tout. Voilà, il n'y a pas de squelette, parce que plus tu vas monter en level, à chaque fois que tu vas déterrer un coffre, il y aura 4, 5, 6 squelettes qui vont popper tout autour. Tu ne pourras pas déterrer tes coffres tranquillement, il y aura des squelettes qui vont te faire chier dans le stuff. Allô? Ouais. Ah ok, je ne sais pas te parler. Non, c'est. Je regardais pour. Je me demandais pourquoi il y avait de la flotte, mais oui, en pleine tempête, ça me paraît. Bah ouais, c'est un trou. Non, c'est pas ce qu'il faut. Donc, ouais, ok, donc là. Un petit niveau d'eau en continu. On ne pourra pas écouper complètement, là, c'est impossible. Ok. Alors. Du coup, bah on a fini la quête, mais ouais, c'est ça. La quête marchande, là. Ouais, là, c'est des livraisons de cargaison, donc. Là, en gros, ça veut dire qu'il faudrait retourner à l'outpost pour chercher. Ouais, bah je vais proposer une deuxième, tu verras ce que ça donne. Vas-y, hein, je te suis. Vas-y, t'as pas accepté, je l'ai déjà. Ouais, effectivement. Votez pour ce voyage, oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Tu peux regarder.
Le combat avec l'équipage notoire. Ah mais là tu m'as... Ouais, j'imagine que tu m'as envoyé une quête. Waouh ! Ah ouais ! Oui. Ah ouais, le capitaine Rob Dog. Ah oui, mais ça j'imagine que c'est un mec qui va genre me bolosser tel un malpropre en fait. Non, bah non, parce qu'encore une fois, ton perso, il est aussi fort que le mien. Il n'y a pas de niveau ou quoi. On tape aussi fort, on a autant de résistance. Il n'y a que le skill qui en fait qui change au fur et à mesure des heures de jeu. D'accord. Tu peux pas exprès. Voilà, donc... Un mec okay. qui a commencé il y a 2 minutes face à un mec qui a joué il y a 1000 heures, ils font autant de dégâts et... Ouais, c'est... Oui, ok. Donc là, ouais, on a un deal. Donc, Eh ben... On est des belles en plus. Écoute, là ça va être ma phase... découverte où je vais laisser ma casquette de... mon tricorne de capitaine. Je suis l'apprenti. Ok, alors je vais noter les quêtes où il y a 3 ou 4 squelettes. Donc attends, j'ai vu Shipwreck, j'ai vu Marauders, j'ai vu Sunken Grove. En haut, c'est le reste. Sunken Grove. Okay. Tac. Marauders Arch, c'est tout le reste. Yes. Et par contre, Liar's Backdown, je crois que c'est une petite. Je la connais pas très bien. Non, ça sera toujours au nord-est. Le jeu ne va pas nous faire aller aux quatre coins de la map. D'accord, ça c'est plutôt pas mal, du coup. Oui. Elle doit être dans ces environs-là. Au sud, peut-être. Parce que là tu me vois en fait, tu me vois bouger la map et toi du coup tu peux pas y accéder, c'est non. ça Non, c'est ça. Ah merde. Regardez, je peux... Ah non, parce que sinon ça serait le bordel quoi, tout le monde fait la carte dans tous les sens. Ouais, je vais vider un peu de flotte quand même parce que là ça se remplit peu à peu. Ok, donc bah limite on peut retourner à l'avant-poste en fait, ce qu'on a déjà vu que c'est sur la route. Ça roule. Ça fait pas vraiment faire de détour, donc je dis ça. J'ai envie de dire. Ah ouais non, en fait non, parce que ça nous fait retourner dans la tempête. On va éviter ça. Donc là on va aller plane. Ah merde, je me gourde de boutons, putain. Je suis pas encore habitué aussi aux touches du jeu. Ouais, tu vois, plein la barre là. Ok, plein nord. Oh la shit! Eh oui, voilà, c'est pour ça. Donc là, c'est exactement à l'opposé. Là, t'es en direction sud. Allez, je suis en train de tourner. What? C'est quoi qui m'a dégommé le cul là? Ah ouais, ok, d'accord. On a pris un éclair. Qui a sans doute fait un truc dans le navire. Ah ouais! Ah d'accord! Ah ouais, c'est la prochaine du tout. Eh non. Ah, il vient de taper juste à côté de nous, celui-là. Et là, tu peux redresser. Ouais. Je suis en train... Ah, c'est galère, la tempête peut prendre la barre en plus. Du coup, là, c'est bon, je suis dans la bonne direction. Un peu plus à la bord. Ah, tu pars nord-est. Et essaye de mettre les voiles plus importe le plus possible de cet endroit. Ouais, le bateau il part vers tribord alors que j'ai dit d'aller à bâbord. C'est un peu le bordel effectivement. Bon, heureusement les tribords. Parce qu'un bout, il suffit que tu vas voilà, en sens inverse et tirer jamais toute 5 minutes. C'est un très bon moyen d'esquiver une bataille navale finalement. Tu vas dans une tempête, tu vas les gens dessus. Ouais, j'imagine que faire une bataille là-dedans ça va être galère en plus avec les putains de gros rouleaux là pour tirer. Ah oui c'est ça, non mais c'est impossible à manœuvrer, au final il se passe rien pour la gueule. Allez bateau tourne. Là, on va peut-être en chier un peu pour les squelettes.
si on y va, si on y va à deux, si on y s'en trop, on va s'en sortir, je pense que je peux le faire. Mais derrière, la réponse, je pense, j'aimerais bien espérer, on va passer le vaccin en direct. M plus. Ok. Ouais, je suis. Ah, ouais, c'est pas ici. Je suis level 45, 46, 40. Attends, c'est ici non? Chronest? C'est encore bien au nord. On a pour quelques minutes. C'est comme le bateau, il a été tourné plusieurs fois. J'étais plus sûr. J'essaie de garder à peu près le cap, mais. Vers quoi? Tribord à droite. En fait, tu dois avoir une île devant normalement. Ouais, voilà, t'essayes de passer à droite de la grosse île. Ok. Ouais, d'abord. Et tu continues dans cette direction. Bon, on va sortir de la tempête là de toute façon. C'est bien, au moins comme ça, tu sais que les tempêtes c'est de la merde et tu peux les éviter si possible. Ah, j'y penserai à l'avenir, ouais. Ah, bah, toi. Tiens, si voilà. Tu veux la barre, je peux te la filer. Hein. Gros, comme tu veux. Franchement, si tu veux te mettre avec la barre, tu peux y aller. Et mon île préférée du jeu. Ah ouais? Parmi ouais, les 60 pillards. Parce que, ouais, tu l'as peut-être pas vu, mais en fait, il y a souvent des loot aléatoires sur les plages. Des bouteilles Ouais, des bouteilles à la mer, des babioles à vendre, des barils de poudre un peu partout. Et Crook Solo, à chaque fois que j'y vais, il y a toujours des trucs. Elle a toujours été généreuse avec moi. D'accord. Du coup, voilà. C'est un truc que tu apprendras, c'est aussi au fur et à mesure, à force que tu joues. Chaque joueur a ses petites îles préférées, où il fout au même endroit à chaque fois. C'est les petites habitudes de chacun. Ah là, tu peux tourner planeur. Là, tu peux aller planeur. Ah, ok. Il n'y a pas à chier, l'eau dans le jeu elle est quand même magnifique quoi. Ah bah c'est la plus belle eau de tout le jeu qui existe. La phrase est très mal formulée. Oui mais elle est tellement compréhensible à la fois. Ouais c'est ça. Après faut dire qu'apparemment ils ont passé 2 ans chez Rare à bosser que sur la flotte. Hein. Ouais bah ça paye. Hein. Ouais, c'est clair. Mais par contre, à côté de ça, le ciel et les nuages, ils sont dégueulasses. Ouais, ils sont pas top, mais bon, ça passe encore. Ah bah non, attends, regarde le gros nuage gris qui a pile au-dessus de nous, là. Ouais. Le contour blanc, il est immonde. Bah disons qu'il y a carrément mieux, mais... on a vu pire quand même. Ouais, c'est sûr. Après moi de base je suis pas un grand fan des jeux dans le style graphique de Sea of Thieves. Tu vois je vois par exemple effectivement l'eau elle est magnifique mais quand tu regardes les mains de ton personnage bon. Oui c'est carré. Ça. C'est. Moi je suis plus dans le style réalisme en fait au niveau des graphismes et mais après celui-là ça va, ça passe. Là je vois par exemple à la fin de l'année Ubisoft qui sort un jeu aussi de pirates mais ça va être uniquement PVP. Ouais, Skull and Bones. C'est ça. Dans le même genre que sur Steam il y a un jeu qui s'appelle Black Wake. Auquel j'ai joué un peu aussi. Là franchement quand tu regardes les graphismes du jeu d'Ubisoft là ça va être assez ouf quoi. Moi l'ennui c'est que c'est uniquement de la bataille navale quoi. Ouais. Bah après aussi c'est la bataille navale façon
Bah, t'as une navale qui avait dans Black Flag, Assassin's Creed, avec les mortiers, tout ça. Et je sais Ouais. pas si t'as fait Black Flag, mais Bah, j'ai pas c'est fait un Black plaisir, Flag, les patins. mais j'ai joué Oh beaucoup putain, à c'est. Black Wake, là, le jeu sur Steam, où c'est uniquement de la bataille navale. C'est pareil, t'as deux teams, t'as les pirates et les anglais. Et ouais, t'es 8 voire plus par bateau. T'as des mecs qui Ouais, sont là pour voilà. charger les canons, d'autres qui sont là pour pomper quand il y a C'est de la ça. flotte dans le bateau, d'autres qui réparent. Ouais, c'est ça. Du Mais. coup, il y a de l'organisation. Alors que dans Skull and Bones, ça sera un mec par navire. Ah ouais, ah Il n'y ouais, aura ça pas c'est un peu chiant. de l'organisation, voilà, il n'y aura pas de travail. Pour vulgariser. Et tu dis que c'est chiant, mais je suis pas d'accord. Franchement, quand tu vois à quel point le système de bataille navale du Black Flag, il est génial, hein. Tu peux comprendre qu'ils aient fait un jeu centré sur ça. Hein. Ah bah après, Ah mais n'ayant pas tu joué à parles. Black Flag, oui, je veux bien te croire que le jeu il soit le système du jeu soit tellement bien qu'il est remis dans. Il est remis dans un jeu à part. Hein, mais moi je suis plus dans ce genre de jeu-là, en bataille navale, je suis plus pour le travail d'équipe, voilà, tu montes une petite team, t'es au micro, t'as un capitaine qui gère la team et qui dit tiens, il me faut un mec là pour réparer cet endroit-là, il me faut un mec pour tirer la voile ici, enfin Ah c'est bah ça que j'aime bien dans ce aussi. cas-là tu vas dans ce cas-là tu vas adorer jouer sur un galion anti-off finalement. Mais Bah vraiment ouais, c'est que ça. je C'est pense. que de l'organisation d'équipe. Est-ce que tu veux que je prenne de la barre parce que ça m'arrête en Vas-y. particulier si tu la fin de là. Elle est un peu chiante cette île. Super clé. Et là, tu verras que d'un coup, l'océan et tout, le ciel, ça va être tout rouge. La mer sera verte et il y aura des nuages partout. Oh shit! Ouais, le nord-est de la map, c'est comme ça. En fait, le nord-ouest, c'est une zone paradisiaque. Le turquoise. Le sud, c'est une zone normale, avec l'océan des marines. Et le sud-est, c'est une zone dégueulasse, océan vert, nuages. Et toutes les îles sont différentes, genre ils ont pas fait un copier-coller. Non, elles sont toutes différentes. Il y a des Ça c'est bien ressemblances, mais ça. elles sont. Ouais. Ah ils Oh, sont bah déjà oui, ils vénères. peuvent tous coller. Ils Ouais, sont non, déjà mais vénères les c'est bâtards. tout. Oh, il y a un gagnant devant. Merde. Oh shit. Espérons qu'ils s'en foutent de nous. Ok, là. Tu veux qu'on claque déjà des squelettes d'ici ou pas? Ça va pas être très utile parce que là, les squelettes là, c'est des squelettes feuillus et ils sont plus résistants aux balles. Ah, Ils ok. prennent beaucoup de dégâts à l'épée mais pas trop aux balles. Non, j'ai juste envie de voir ce que fait le galion devant pour assurer. Mais je pense qu'ils sont fous de nous, il vit sa vie. Bah, disons que s'ils se pointent ici, je sais pas si pour un galion c'est ultra rentable de péter un vieux bateau comme le nôtre, quoi. Tu te dis que fatalement Bah, l'équipe elle est moins grande, du coup il y a potentiellement moins de farm, quoi. Là il va venir pour deux coffres pourris et un crâne merdique. ouais, c'est ça. Non, il va derrière lui. C'est bon, ils s'en foutent de nous. Il va peut-être revenir après, mais je vais checker. Le truc, c'est que dans le jeu, il y a beaucoup d'acharnés et de mecs qui attendent tout ce qu'ils voient, même si c'est pour rien récupérer. Oui. Non, c'est bon, il se casse. Donc alors. Oh, Écoute. attends, il faut juste avancer. Aïe. C'est des tringlons, les squelettes. Ouais, j'ai vu, ils font mal. Ah oui, ils font très mal. Vite, une banane. Ouais. Et les feuillus, ils regagnent de la vie quand ils vont dans l'eau. Donc Ah! essayez Donc de faut pas pas les trop que je ramener les dans attire. l'eau. Non. C'est pas. Ils regagnent pas beaucoup de vie, mais ils ont gagné un petit peu quand même. Voilà, en face 1. Essaye d'aller attaquer le deuxième. Et quand tu les attaques, ils peuvent pas tirer. Chacun, ils peuvent jamais tirer. Aïe. Aïe, bon bah il m'a baisé. Ouais. Alors j'ai l'impression, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil ou si c'est moi qui ai fait une configuration pourrie ou j'en sais rien, j'ai l'impression que les coups au corps à corps ils sont vachement lourds en fait. Sais, c'est pas super réactif, c'est assez long. Oui, non mais en fait ça c'est un truc, c'est que si tu foires un coup, tu peux pas les enchaîner derrière. Ah ok, T'es d'accord. stun pendant une seconde, en fait. Mais dès que tu touches, tu peux en enchaîner deux autres.
C'est quoi, c'est des argents, c'est des dorés? Ok, c'est des dorés. Bon, en même temps, je pourrais pas faire la différence entre les squelettes. Il y a plusieurs types de squelettes. Donc là, c'était les feuillus, ou les salades, comme on les appelle ici. Ah, bah, tu vois. Ah! Donc les feuillus qui prennent moins de dégâts aux balles, hein, qui se régénèrent dans l'eau. Et là, les squelettes qu'il y a sur la plage, c'est des dorés, en armure. Ils prennent très très peu de... C'est l'inverse des feuillus, en fait. Ils prennent très très peu de dégâts à l'épée. Tu seras même stun quand tu vas les taper à l'épée. Par contre, ils prennent beaucoup de dégâts aux flingues. Et ils sont deux fois moins résistants quand ils sont mouillés. Tu peux voir, leur armure, elle s'oxyde. Au lieu d'être dorée, elle devient un peu noire, comme ça. Ok. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tu ramènes, comme ça on va pouvoir y aller ensemble. Ouais, et prends le tromblon. Pour eux. Je l'ai pas. Parce que un coup. J'ai un si, flingue bon, là. Tu l'as aussi. Bah écoute, moi j'ai. Attends, je vais aller voir. Ah oui. C'est quoi? C'est dans. C'est bon. Non, coffre à vêtements, non. Coffre d'équipement, j'imagine. Non, c'est. Non, près de la carte. Accroché au mur. Ah ok, arsenal, ok. Voilà. Ah oui, c'est bon, j'ai le tromblon, effectivement. Ou sinon, attends, on peut même faire autre chose, tu peux prendre le flingue ou le sniper et on peut les niquer où est-ce qu'on est. Ce sera encore plus simple, comme ça il n'y aura pas à y aller au claque. Ah bah écoute, allez, on va essayer comme ça. Parce qu'ils ont des flingues et du coup... Donc c'est les dorés, hein, ouais. Tu m'as dit à flinguer comme ça. Ouais. Après tu peux tous les flinguer comme ça, mais disons que là, ouais, les dorés, c'est... Faut y aller à l'arme à feu, sinon c'est trop... Et même là, c'est long. Hein. J'avoue, ouais. Et t'as les munitions juste à côté de la caisse, t'as dû voir. Ouais. Les munitions, elles sont illimitées dans le coffre. Oui. Tu vas en avoir bon. Que 5 sur toi, mais tous les coffres sont limités. Je vais y aller au cac. Après, écoute, si tu vas au cac, et je vais peut-être te suivre, hein, je vais pas faire la petite ficelle là. Au pire, j'ai des bananes. Donc, ouais, pour eux, il y a aussi une technique, tu peux aussi prendre ton seau, le remplir et leur jeter de l'eau dessus. Comme ça, ils vont s'oxyder. Et derrière, tu peux les one-shot au tromblon. Ah ouais! Effectivement, c'est pas con. Le tremblon, j'imagine qu'il fait carrément plus mal, non? Oh putain! Ouais. Il a été nerf il y a 2 semaines, parce qu'il était vraiment trop cheaté. Mais il fait encore très très mal. Tu verras qu'en PVP, quasiment tout le monde joue tremblon, parce qu'il y a moyen de one-shotter directement. Bah pour te donner une idée, en fait, le tromblon tire 10 petites balles, un truc comme ça, et chaque balle va avoir 10% de vie maximum d'un joueur. Le pistolet, c'est 50% de vie par balle, et le sniper avec le PVP, c'est 75-80%. Voilà. D'où il m'a touché, lui, derrière mon rocher, petit bâtard. Ah. Par contre, le tromblon, du coup, faut être très proche. Faut être collé au squelette quand t'es en PVE. Oh la vache! Ça sert limite par deux. Putain, mais j'aurais pas mort! Mais. Adam! Ouh, alors là! Ouais, tu vois, quand tu tapes, t'es. Ouais! C'est ça! Vas-y, je vais essayer de les mouiller. Il reste plus qu'un. Il va peut-être me tuer. Yes. Bon, moi, il me faut des bananes là, putain. Oh shit. C'est des feuillus. On fait des feuillus au top. C'est moins compliqué.
Ah putain, je l'ai pas ici. Nickel. Oh mais y'a un requin là, genre. Genre le requin il était juste là quoi, le petit bâtard, juste à la plage. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Feuillu encore. Ah non. Parfait. Bon, dernière banane. Ça y est, j'en ai plus. Oh putain, j'ai plus de trucs. J'avais plus de banane. Aïe. Aïe. Cassez-vous. Donc ouais, là c'est ni chiant, mais peut-être vrai que la récompense devrait être sympathique. Ouais, j'imagine, oui. Après, encore une fois, c'est complètement random. Mais plus t'es au level, plus t'as de chance que le loot soit cool. J'ai tellement fait mon peureux, je suis retourné au bateau chercher des bananes. Oh bah c'est ce qu'il faut faire, hein, parce qu'au final ça prendrait plus de temps de mourir et de revenir. C'est ce que j'aurais dû faire avec aussi. Et je me demande un truc là, il y a peut-être moyen que je les sauce avec le canon. Ah non. Ah. Non, on est pas bien orienté. Je suis trop con, bah oui on aurait pu faire ça, c'est juste à côté. C'est pas grave, on aime le challenge. Parce qu'on va taper le récif à côté là. Relever l'ancre, relever la voile, comme ça tu fais du surplace, tu peux faire la toupie comme on dit. C'est la technique de défense ultime quand t'es sur un ballon. Comme ça tu tombes sur place et tu peux toujours tirer avec lui. Écoute, si tu veux tirer, je vais essayer de les prendre en aggro. Nice. Ah, t'as un peu trop à gauche. Ouais, le galion de tout à l'heure il est loin. Putain, les salauds ils se mettent dans mon dos direct quoi. Ok, c'est bon, il y a les capitaines. C'est les trois mêmes, ils ont récupéré tous les trois en même temps. Vas-y, je les attire si tu veux. Tellement cher. Ah, les vagues elles sont chiantes. Et un. Deux. Oh bah voilà. Parfait. Et trois. Oh et le loup a l'air cool, est-ce que je vois. Vas-y, je ramène. Là on a un loot 64. Ah, des tips. C'est quelqu'un que tu connais? Oh, on peut rejoindre ce loot. Oui. Ah, bonjour tips. Salut. Bonsoir. Je crois que tu joues en fait. C'est des discussions qui me concernent demain. Ah, bah tu me dis quand t'es dispo et excusez-moi. Tu sais que tu peux... Sinon, tu sais que tu peux rejoindre, hein. Moi ça ne me gêne pas du tout. Bah, tu joues dans la soirée, Tix, ou pas? Ouais.
que sinon il y a aussi Murdoch, donc je ne sais pas si Erin Fell voudrait rejoindre derrière. Bah écoute, moi ça va dépendre si mon pote est là ce soir ou pas. Parce que j'imagine qu'on peut faire que des groupes de 4, c'est ça? Ouais, ou c'est 4 3. Maximum. Ouais, ou 3, ouais. Ouais, c'est 4 maximum. Ouais. Vous jouez tout seul, c'est faisable. Ouais, c'est chiant. Je pense que je vais aller. Je vais aller, bah, moi je m'en fous en fait. Je vais essayer un peu tout seul cette fois. Oui, vas-y. Fais une quête légendaire tout seul, on joue ensemble. Non, non, c'est chiant. Je vais aller juste casser des couilles à des slopes, c'est ta faute, Dieu. Non, c'est pas ma faute, c'est faux. Je vais aller casser des couilles à des slopes. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. À tout à l'heure. Ouais. Désolé, ouais, Tix, c'est un compagnon de jeu qui joue beaucoup. Pas de problème, hein. Ok, et donc là, voilà, donc là, je te dis, ce qu'on vient d'avoir, c'est très cool. En fait, il y a 4 niveaux de crâne. Ouais. Le crâne abject, le gris, c'est le plus merdique, ça vaut genre 100, 150 gold. Mm-hmm. Le crâne vil, qu'on n'a pas encore eu, qui est à 200, 300. Le crâne infâme, ou l'argenté, qui est à 600, 700. Et le crâne doré qui est à 900 1200. Donc là, on a eu un très bon jet. Là, pour te dire, on a genre 2500 avec les trois crânes ici. Ouais, pas mal. Oui. 2500, ouais, les trois crânes et le crâne pourri et les deux coffres, ouais. Ouais, mais pas loin de 3000 avec ce qu'on a. Voilà, on a sans doute fait plus que ta soirée avec ton pote, je pense. Moi, la soirée, j'ai fait 1631. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. On a fait que des crânes. On a eu un crâne sordide, je crois. Celui où le dessus, il est un peu ouvert, là. Ouais, le doré, c'est ça. Eh ben, on a eu un sordide. On a eu un infâme. Et l'autre, ça devait être un abject, tout simplement. D'accord. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Où on a eu deux infâmes. Je sais plus. Dans tous les cas, tu feras du pognon. Hein. Oui, de toute façon, c'est pas tant pour me faire le pognon, c'est surtout pour passer ouais, un petit moment. Tu pourras t'acheter des vêtements. C'est pas dit que je suis un pouilleux. Non, t'es. Bon, j'appelle ça un clodo, pas un pouilleux. Mais. De toute façon, les pirates, c'était un peu les clodos de la mer. Hein. On va pas se mentir. Donc là, du coup, on part tout à l'est. Yes. Itinéraire. Du coup, ouais, toi, t'as pas peur. Toi, tu rushes les butins comme ça et tu ramènes tout d'un coup. Peut-être pas tout d'un coup, mais en fait, là, si on avait eu un avant-poste sur la route, j'aurais été... Mais ça nous fait faire un détour d'aller sur un avant-poste. Donc, Ah non, bah moi, c'est... moi je m'en fous, c'est... Moi j'ai tendance toujours à vouloir jouer la sécurité, et c'est mon gros défaut dans n'importe quel jeu vidéo, c'est toujours la sûreté d'abord. Je suis le genre de mec qui va jouer à un FPS au petit flingue parce qu'il veut garder ses bassos de mitrailleuse pour un éventuel boss qui viendra jamais, en fait. Ouais, je comprends. J'étais un peu pareil au début, mais disons que maintenant les navires, je les vois arriver, je peux anticiper en conséquence. Donc ça va quoi. Je me permets d'être un peu plus ballsy. Ouais, je pense que ça va être une habitude que je vais devoir prendre aussi, parce qu'à mon avis, c'est pas en récupérant un crâne en allant à un avant-poste que. Ah non, faut pas faire ça. Ça te pourrit l'expérience de jeu justement, parce que c'est super chiant. C'est parce que j'ai peur de la frustration en fait. J'ai peur en fait d'avoir farmé genre par exemple 4 ou 5 crânes ou coffres ou ce que tu veux, et que d'un seul coup il y a un connard qui vient de me couler et qui me troll au micro, tu vois. Ça c'est le genre de truc, tu vois, qui va me faire rage quitte le jeu, mais genre pendant un ou deux mois. Ah bah, prépare-toi à ce que ça arrive, parce que ça arrivera forcément à un jour ou l'autre. Hein. Justement, je préfère m'y préparer doucement. Mais bon, non, mais faut aussi voir le truc de l'effet inverse, parce que des fois, tu vas couler des navires et pareil, tu vas leur piquer une ou deux. Ah oui, tout à fait, mais ça me dérange pas. Moi, je suis le genre de connard qui prend plaisir à le faire, mais qui supporte pas qu'on lui fasse. Ah. Tu vois, par exemple, le genre de jeu que je peux pas jouer du tout, c'est Ark. J'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, vas-y, achète Ark et tout, il y a moyen qu'on se marre bien, etc. Non. Non.
J'ai déjà joué à Rust, c'est... Tu te fais chier à construire un truc, tu vas pioncer, tu reviens le lendemain, il y a un connard qui t'a tout pété, quoi. Ah ouais, non, ouais, ça c'est pas possible. Donc ça, non, c'est... Non. C'est le genre de jeu où il faut payer une société de sécurité privée, c'est qui va venir geeker la nuit pour surveiller ta baraque, quoi, t'es. Que j'ai mis les voiles à la voile à gauche, mais on l'a pile poil en face. De toute façon, ça c'est l'île sur laquelle on va aller, ça non? Non, 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 c'est derrière. Ah oui, ouais, c'est encore beaucoup plus loin, putain. C'est pas si loin que ça va là en fait, c'est parce qu'on a un vent de face, donc on se traîne le cul. Mais sinon, avec un vent d'eau, on y sera en 2 minutes. Vivement l'invention du moteur. Non, ça passerait tout. Dans le ah bah oui, 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 non, mais bien sûr. Et en plus, là, normalement, les sloops et tout, ils devraient peut-être être un peu frileux à l'idée de nous attaquer, vu le skin que j'ai mis sur le navire. Bah... T'as mis un skin, là? Ouais, c'est pas les voiles, c'est... Y a une figure de proue, la coque et la voile. T'es sûr? Parce que là, normalement, c'est un peu mon bateau, donc en fait, normalement, il est à walper, hein. Ah oui, mais non, je suis dans ton équipage, donc je peux le changer comme je veux. Ah, d'accord, ok, ça je le savais pas. Ah ouais, pas juste le capitaine qui choisit, c'est... D'accord, ça j'ignorais ça. Tout le monde. Donc ouais, là c'est... t'as le deuxième navire le plus cher du jeu. Royal. Vu que le... Non, c'est... c'est Fonte Calmiteuse. Non, je disais Royal, c'est Royal de naviguer... Ah. Alors, il y a un bateau au loin. Ouais, je l'ai vu. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une épave. Je vois il y a plein d'oiseaux autour. Il y a une épave, ouais. Et du coup, il va peut-être venir nous faire chier derrière, donc il faudra surveiller. Ah, ça dépend en fait. S'il va trouver des trucs cool dans l'épave, il va pas venir au contact. Parce qu'il aurait des trucs à perdre. Donc voilà, on peut juste aller sur l'île en face, on remonte pour tout vendre. Et comme ça, on sera seul. Je vais surveiller un peu le bateau derrière, là. Oh! Je vois sa voile qui bouge. Ouais, mais de toute façon, même s'il vient, on craint trop rien, il a un vent de face. De toute façon, le temps qu'il arrive... Je crois qu'il avance. Je suis pas sûr. Ouais, ouais, il bouge là. Il bouge. J'arrive pas à voir par contre s'il vient vers nous ou pas. Ça, je peux te le dire. Non, il est vrai à l'arrêt. Non, il est la proue est vers nous, il est dans notre direction, mais... Ah s'il avance vers nous. Ouais, ouais, c'est bien ce que je me disais. Et il a un sale vent de face. Là, on est con, on aurait dû changer les voiles. Après, on peut l'attendre et essayer de saucer, hein. Ouais, tu te sens chaud? Non. Si c'est deux joueurs expérimentés, on est mort. Disons que, de toute façon, ça se trouve, ils vont peut-être pas nous laisser le choix. C'est surtout ça en fait. Bah s'ils viennent vers nous, ce qui se passe c'est qu'on fonce à un avant-poste et qu'on vend en priorité les trucs qui valent bien cher, qu'on veut vraiment pas perdre, et le reste... Ça par contre, ce que je trouve con, ça j'avais vu sur un stream, c'est qu'en fait quand tu t'amarres à un avant-poste, en fait tu peux te faire couler quand même quoi. Pour moi un avant-poste, ils auraient dû faire en sorte que l'avant-poste en fait ça soit une zone neutre et du coup on se ride pas quoi. Surtout pas. Non, il faut pas, c'est très bien qu'il n'y ait aucune zone non PVP, qu'on puisse s'attaquer de partout, ça casserait tout sinon. Parce que tout le monde, dès que tu aurais un butin, tu foncerais sur un avant-poste comme un débil, et tu t'y arrêterais et tu serais safe. Ça casserait tout, il y aurait quasiment tout de PVP. Et je dis ça, et pourtant, je suis pas du tout friand du PVP. Hein. J'essaye de l'éviter le plus possible. Mais non, c'est... justement, il faut pas. Il faut pas qu'ils changent ça. Et ça, tu comprendras à force de jouer. Je peux te l'assurer. D'accord.
Ah, il vient bien vers nous. Ah, quoique, la voile est tournée. Ouais, si, il vient. Si, et je crois que ça... Alors, je sais pas si ça tire ou si ça scrute, mais je viens de voir un flash sur leur bateau. Nice. Une loupiote. Du coup... Ah, ils font chier. Peut être tranquille. Ah, quoique, ils sont loin. Oui, ils sont quand même relativement loin. On va pas prendre de risque. Bah là, le truc, c'est qu'on en a pour bien 5 minutes pour finir l'île. Donc, ils auraient le temps de venir, en fait. Bah, après, ce qu'on peut faire, c'est s'orienter... Ouais, c'est qui tout double si on fait ça. C'est soit on s'en rentre derrière l'île, on attend pour pouvoir les canonner, soit on va se mettre en... On va vendre, et puis... Non, mais on va vendre. De toute façon, là, on a le vent. On a le vent, et c'est pas très loin, ça ira vite. Je continue de surveiller, de toute façon. Ouais, il venait bien vers nous. De toute façon, ça, c'est... indéniable. Il s'était dit que c'était un petit peu free, là, ce qu'allait se passer, et... Bah, ils sont peut-être dit qu'on allait sur une île, et qu'on en prenait. C'est ça. Il y a de très fortes chances que ça soit ça. Putain, fait chier là que ça tangue à mort là, j'arrive pas. Alors je crois qu'ils essayent de nous rattraper par le côté. Ils veulent peut-être couper. Parce que là ils ont pas suivi le même chemin que nous là, je pense. Ils ont fait comme un espèce de demi-tour et je pense qu'ils vont essayer de nous choper là, par bâbord. Dans tous les cas, je pense qu'on aura le temps de vendre. Le ponton est en face en plus. Ouais, c'est ça. Ils ont tout. Mais ils ont pas le temps. C'est un avant-poste là, juste en face. Ouais, c'est Galeon's Way. Ah putain, je suis paumé. Je suis tellement en train de scruter le bateau derrière que je regarde même plus, quoi. Yes. Ouais, j'ai l'impression qu'il gagne un peu de terrain quand même derrière. Ouais, parce qu'en fait, il doit être. Ils sont un deux, il y en a un qui joue les voiles. Eh ben, tu sais quoi, j'ai déjà un crâne dans ma main, je m'apprête à sauter dès que c'est bon. Ouais. Pas tout de suite, hein, quand je te le dis. Non. T'as pris le doré, j'espère. Ouais, j'ai pris celui qui est ouvert là sur le crâne. Ouais. Tu sais où faut aller vendre? Ça, c'est à la meuf dans la tente là, enfin la meuf un peu mystique. C'est ça. On arrive vite. Oh shit! On a tapé. Pas le temps de niaiser. Ouais, je répare vite fait et on vend tout. Vas-y, je suis déjà à l'attente. Ah, les bleus, les autres connards derrière. On a le temps de vendre, on a le temps. On prend le deuxième crâne. Derrière, il y a ces deux coffres de naufragés. Bon, si même s'ils en prennent un, c'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est pas de bol. Le navire, il est bloqué dans le ponton. Faudrait faire une manœuvre pour le débloquer. Ah, c'est vrai, j'ai bourré. Hein. Je vais pas perdre du temps. C'est pas grave, moi aussi, je vais les bourrer, tiens. Tac. Je suis en train de les dégommer. Allez, cassez-vous. Allez, oh bah là, ils prennent la flotte. Nous aussi, on a... On
m'a un peu paniqué pour rien. C'était le joueur à la con, voile blanche, tout ça. Ah ouais, en plus il s'arrête là, ouais, en fait c'était gratuit. Oula, on prend grave l'eau là, on va tout. Vas-y, je vais couper. Aïe. Aïe, s'orienter pour qu'on puisse pas le toucher. Il y a encore des trucs à ramener ? Ouais. Allez, je le ramène. J'ai l'impression que c'est un joueur solo. C'est chelou qu'il n'y en a pas un deuxième. Bah, s'il est solo, il va pas tarder à couler, hein, parce que franchement, j'y ai fait des trous. T'as été dans le dernier ? Ouais, je suis en train de le ramener, le dernier. Je sais plus à qui il faut le donner, mais... La tente, au milieu. Non, pas ici. Sur... au milieu, à côté de celle avec les crânes. Ah, ok. Le collectionneur d'œufs. La tente un peu verte. C'est dur à dire. Parfait. On s'est pas fait tant de fric que ça, hein. 2000 et quelques. J'ai pas. Attends, je débloque le navire. Tu peux aller sur le country board et tu pourras le saucer. Ouais. Merde. Voilà, petit, c'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment un truc de merde. C'est n'importe quoi. Ah, l'enculé, il m'a fait tomber. Putain. Lui tirer dessus à la fille, franchement, ça sert à rien. Putain, mais à chaque fois il m'a tué cet enfoiré. Bah c'est tout ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en scrut, je vais aller le buter sur son bateau. Ouais. Tu préférerais pas que je le fasse, parce qu'en fait j'irai plus vite, il y a une technique pour se propulser avec l'épée. Ouais, c'est avec le dash là en frappant. Ouais. Bah c'est parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est arriver en scrud. Parce que si ça se trouve, s'il a peut-être du butin sur son bateau, je peux peut-être le piquer et me barrer en scrud. Ah non, mais là en fait c'est chiant, je peux pas réparer, je fais que écoper. Parce que dès que je répare, il tire un boulet et ça m'expulse. Ah quoique, j'ai réussi à en mettre une. Oh, c'est infini, ça mène à rien. Ce con, il va utiliser tous ses boulets. Ouais. Il est parti sur son navire? Ouais, j'y suis, hein. Je suis en train là. Qu'il essaie de me tirer dessus avec ses boulets de merde. Il est là. Je vais attraper l'échelle du bateau. Voilà. Oh là, il est mort. Essaye de jeter son angle. Jette son angle. Yep. C'est bon. Oh, il a des gros coffres, le bâtard. Coffre de capitaine. Sérieux? Ouais, il a un coffre de capitaine, je l'ai pris, il a des hauts coffres. Oh
Oh le con, mais pourquoi il nous a attaqué sur la scène? Il est trop con le mec. Ah c'est bon, son navire il est mort. C'est bon, il a coulé. Donc lui il pourra pas ripop là. Il va ripop une fois sur son navire, et je vais le tuer derrière et il va ripop ailleurs ensuite. Nice, on va pouvoir lui carotte tous ses coffres. Lui il a été franchement trop con quoi. Il était, en plus, il est tout seul en plus. Hein. Moi, je suis arrivé sur le bateau comme une fleur. Et je l'ai tatané à l'épée, peinard. J'ai vraiment pas compris ce qu'il a cherché à faire. Mais surtout avec des coffres comme ça, je pense que capitaine, ouais, 852, ça, tu le protèges, quoi. Ouais. Merde, par contre, je sais plus où c'est qu'il était son bateau. Il a coulé le coffre pour monter à la surface, là, bientôt. C'est lui qui essaie de me tirer dessus, là? Non, on est en train de se battre sous l'eau. Oh, non, c'est fini. Allez, prends ta sirène, casse-toi. Tu peux tirer sous l'eau, genre? Ouais. Allez, prends sa sirène, il se casse. C'est bon, je l'ai. Ah merde, un requin! Moi tuer le requin s'il te plaît. Oh il putain est où il m'a tué le requin. Je suis dessus. Il y a les coffres qui vont je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Le requin est mort, je suis en train de prendre le maraudeur. Coffre de maraudeur, parce que l'autre ça a l'air d'être un petit coffre. L'autre c'est un petit coffre, mais on l'a gagné lui, de la merde. Oui bien sûr, bah là j'ai pris le maraudeur là pour le ramener. Nickel. Oh oui, j'ai vraiment pas compris ce qu'il a cherché à faire là. Ah, il doit être tellement deg lui. Bah je pense pas parce que c'était voulu. C'est vraiment lui qui est venu quoi. Bah ouais mais je pense qu'il pensait pouvoir nous couler. Parce qu'il nous a quand même. Il était tout seul mais il nous a quand même bien pilonné l'enfoiré. Hein. Non il visait pas très. En fait le truc c'est que ouais t'es resté au canon. Un peu trop longtemps, ce que t'aurais dû faire c'est lui tirer en fait 2-3 boulets et te propulser au canon pour aller l'aborder. Comme ça lui en fait pendant qu'il allait réparer comme un con, voilà quoi, tu le gênais. Ouais, c'est une ouais. des techniques principales, c'est en fait tu fais quelques trous dans la coque et tu vas les faire chier pour les empêcher de réparer. Et ils finissent par couler au bout d'un moment. C'est la technique numéro 1 ça. D'accord. Ouais j'avais... Je m'étais dit, vas-y, je vais le pilonner pour lui faire un max de trous qui galère bien après pour la réparation, mais c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, ouais. Par contre, on voit pas le dernier coffre. Il a dû recouler, non? Ah bah tu as gagné un succès. Si, si, apparemment, il est à côté de la sirène. Bah écoute, merci à toi, c'était assez florissant quand même notre excursion. Le succès gagner, enfin voler un coffre à notre équipage. Oh, il what était bugué jusqu'à il y a pas longtemps. J'étais à côté du coffre, ça m'a TP quelque part. Oh, ça m'a remis sur le bateau, what the fuck. Il est au fond de l'eau ou il est où? Non, non, il est à côté de la sirène. Ah, mais je pense parce que comme il est collé à la sirène, ça a dû être le truc de la sirène que j'ai pris. Je la vois pas. Bah, je vais te laisser aller le prendre parce que je le vois pas. Coffre d'aventurier, c'est bon. Et c'est encore lui qui tire là? Non, c'est moi, j'étais. Ah, putain. Je vais dire, le mec il veut pas lâcher l'affaire, il essaye de me saucer même de trop loin quoi. Non, non, il arrête pas. Bah, en fait, à la base, il voulait prendre sa sirène et s'enfuir, mais je l'ai empêché. Ah, y'a un requin derrière toi, ouais. Bon, non, c'est bon, je suis sorti. Y'a un requin qui vient vers moi, ouais. Allez, va-t'en!
Bah, je te laisse prendre les coffres. Aïe! Ah, ok, c'était plutôt derrière. Oh, c'est bon, il m'a mordu une fois, il s'est cassé. Là, je lui ai mis un coup pour le retenir. D'accord, ouais, j'étais au piège. Tu étais con. Ouais, il m'a mordu qu'une fois. Hein. Puis il m'a pas fait énormément de dégâts. Bah, eh ben, mid-life, normalement. Écoute, on a fait les trois crânes. Plus le mien du truc pourri. Plus... Ah non, le crâne, non, c'était pas... Je sais même plus. On a eu un crâne pourri, les trois crânes qui étaient pas mal, mes deux coffres pourris, ouais. Plus ceux du gars. Moi, je dis, c'était plutôt sympa. Voilà. C'est clair. Du coup, là, j'ai combien de thunes? 5500? C'est la richesse. J'ai vu... Streamer, bon, je pense que tu connais Zerator, beaucoup de monde connaît. Oui, bien sûr. J'ai vu la dernière fois sur un de ses streams, le mec il avait 390 000 de thunes, un truc comme ça. J'ai dit, mais le mec. Non, mais là actuellement j'ai 504 000. Ah ouais! Ah! Bah en fait, le truc c'est qu'au bout d'un moment, le pognon, quand t'as acheté les frames que tu veux, le skin, tout ça, ton skin de navire, le pognon tu sais plus quoi en foutre. Et la semaine dernière, il y a le skin des navires légendaires qui coûte 900 000 pour tout avoir. La proue, les voiles, la coque, 900 000. Du coup, tout le monde s'est mis à économiser pour avoir 900 000 balles quand on passe pirate légendaire, quand on est 50 partout, pour pouvoir acheter directement. Donc c'est pour ça que tout le monde se met à économiser, en fait. D'accord. Alors, pour l'instant, je pourrais m'acheter un nouveau violon. Enfin, un nouveau... Mais non. Le pognon, tu verras quand tu seras vers level 25-30, au fric, tu sauras plus quoi en faire. Parce que tu auras acheté tout ce que tu voudras. D'accord. Bah écoute. What is it? Qu'est-ce qu'ils vont, le collectionneur d'or? Ok. Be on your way. Bon bah du coup, tu vas prendre ta sirène. Je nous amène à l'île qu'on devait faire avant. Ouais. Ça serait con de la skipper parce que bah, moi, je vais pas trop tarder, on va dire, mais ça serait con de la skipper parce que ouais, 4 capitaines sur une petite île, c'est assez gratuit. Ah mais donc, clairement, j'approuve. Je reprends juste des bananes et puis je suis là. Vas-y. Bah, si t'arrives à choper le navire, bravo. Si t'arrives pas, ben tu prendras ta sirène. Ça roule. Ça refile pas grand-chose quand même les bananes. Un peu un plus cher de vie, ouais, voilà. 40% ou ouais, un petit peu plus. Alors la sirène, bah, elle est là-bas. Elle a déjà pop. Elle pop quand le navire est suffisamment loin. Bah, oh, mais c'est la sirène de l'autre en fait. Ah, tu peux la prendre, c'est sûr. Bah écoute, elle est encore là. Moi, elle me fait un signe de fumée, donc j'imagine que je peux. Ah ok, ouais, si elle fait de la fumée, c'est que ça va tuer. Donc ouais, si tu veux entrer dans le grand bain de Sea of Thieves, ce soir du coup, je jouerai avec Tix, qui est pirate légendaire, donc on fera des quêtes légendaires. D'accord. Si tu veux voir ce que ça donne... Bah si... Je te dis, ça va dépendre si mon pote il joue ou pas. S'il joue pas, je suis partant. Par contre, en sachant que vous allez avoir un boulet avec vous. Oh non, on va pas se mentir. Oh non, mais c'est pas ça, t'as un boulet, c'est juste que ouais, tu connais pas trop. Mais à partir du moment où t'as des doigts et que t'arrives à cliquer pour attaquer avec ton épée, ça c'est suffisant. Hein. Ouais, bon, ça devrait se faire. Alors, du coup. On a un bateau, un rafio rafistolé. On sent qu'on a été à la guerre. Tout va bien. C'est ça. Alors, du coup... Liar Backbone. Ok. Liar Backbone. Et on a encore un vent de fesse.
Au moins, on aura le vent tôt pour repartir, normalement. Ouais, ça évitera qu'on se fasse maroufler, là. Bah, qu'on se fasse chier, tout simplement. Parce que ouais, ça peut être long. Ça m'est déjà arrivé de me faire toute la map avec un mot de face en galion, c'est insupportable. T'as l'impression de faire du surplace. T'as le temps de te faire à manger, sortir le chien, manger, faire la vaisselle, que c'est pas arrivé. Ah, c'est... Ouais, écoute. Gold. Eh ben, le boulet, ça leur fera rien, si? Si, le boulet, ça les one-shot. Okay. Et le truc, c'est qu'on a plus que 30 boulets. On en a plus que 30, c'est pour ça qui est chiant. Bon, bah écoute. C'est pour ça que c'est important de faire des spells dès que tu peux, en fait. Tu vois, c'est pas très vite. Hein. Oh, il y a déjà un capitaine. Okay. Oh, c'est des claques. Tu es pas obligé de tirer au boulet, tu peux venir prendre ton bon. Ils sont gratuits. Là, ouais, je vais venir dans l'eau. Non, attends que tu sois dans l'eau. De toute façon, je suis con, j'ai plus qu'une balle. Il va venir. Tu pourras voir, en fait, là il est doré. Quand il sera dans l'eau, il va s'oxyder, il va devenir noir. Et il va être beaucoup plus lent. Et là, il prend 2 plus de dégâts quand il est comme ça. Et tu peux y aller complètement au cas, théoriquement. Toi, tu vises, tu fais dessus et tu le sors. Ah, le problème, c'est que là, j'ai plus de balles. J'ai été très con. J'ai toujours pas le réflexe de me dire, j'ai pas des munitions comme un ouf. Bon, il est. Je ramène son crâne, je finis ce qui reste. Encore plus proche, hein. Tu peux vraiment les coller comme tu vois. Ok. Au pire tu prends un coup, mais c'est pas trop. Ouais, effectivement, ça va carrément mieux. Tu les one shot en fait, si t'es collé, s'ils sont dans l'eau. Du coup, il y a d'autres capitaines là, sur l'île. Ouais, il y en a 3 autres. Ok. C'est maximum 4 paris. Ah bah, il y en a un qui vient de pop. Ah putain, c'est des flingues. Essaye de cacher pour qu'il s'approche. Ouais. Ouais, bah je vais échanger, je vais prendre le petit flingue là. Putain, il y en a un. Ah et putain, la vache, il me sauce d'ici. Oh là 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 là. Je me suis fait défoncer. Bon, ah, alors, les squelettes, c'est ils ont des derniers bottes, hein. Ils te loupent quasiment. Hein. What? Il m'a tué à travers le mur. Ah ça arrive aussi. Parce que ce jeu, il est très bien. Alors ça dit quoi ça? Finding yourself on the road to... Oui, aidez-moi ou tout va bien. Ok, bon, tout va bien. Non, ouais, ça c'est un message qui a été rajouté il y a genre 2 semaines. En fait, c'est pour t'indiquer que tu peux saborder ton navire. C'est, si jamais tu te fais spawn kill, t'es un nouveau joueur, tu te fais spawn kill, c'est pour pouvoir rip-up ailleurs. D'accord. Ouais bon, je vais canonner tout ça là, parce que c'est chiant. Ouais, tu vas bientôt faire une fausse dépêcheur. Et ça c'est des squelettes fantomatiques. La nuit, ils sont invulnérables pour les éclairs à la lampe. Et derrière, tu peux les toucher. Je peux quoi? Derrière, quand tu les as éclairés en fait, tu as la forme fantomatique et tu peux les taper pendant genre 10 secondes. Ouais, ils sont particulièrement chiants la nuit. Je ramène les deux. Ah, j'imagine. Crâne recherché, infâme.
Ok, il en reste plus qu'un. C'est bon. Ouais, derrière toi. Ce putain, c'est des flammes. C'est des flammes. Aïe. Ah merde, bouffe l'enfoiré. Ouais. Aïe. Et quand ils prennent une banane, ils se régénèrent de 3 coups d'épée, en fait. Ou une attaque chargée. Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait une skin de bateau, tu sais, achetable avec les vêtements, etc. De, un peu comme le bateau là, de, sous lequel on est. Oui, un peu de vaisseau fantôme. Fantomatique comme ça. Ah ouais, ça serait bien. Tu sais, le truc des âmes, là, moi je me suis dit, vas-y, le truc des âmes, vas-y, ça va être un truc en rapport avec les morts et tout, et... Eh ben non, que dalle en fait. Ouais, ouais. Je me suis fait empoisonner. Okay, on super, un gold en plus. Oh putain, je me suis foutu derrière. Écoute, je vais ramener déjà ce crâne. Allez. Ouais, bon, si tu arrives. Et ensuite, tu m'attends, je prends une coup de vie, on y va à deux. Oh, il m'a saucé au moment où je remonte, quoi. Ils ont attendu que je monte à l'échelle pour me saucer, quoi. Ah, j'espère qu'on va pas paumer le crâne. Ah non, il doit être dans l'eau. Oui, non, il est dans l'eau. À partir du level 40, les quêtes de crâne, c'est une plaie à faire à deux. Il y a beaucoup de squelettes, ils sont plus résistants, il y a plus de vagues. Ah, c'est comme sur... J'avais vu sur des streams, il y a des sortes d'avant-postes là à saucer, là. T'as plein de squelettes à niquer et ouais voilà des forts ouais. Quand tu butes le capitaine ça drop une clé et en et l'espèce de sous-sol. Voilà. C'est ça. C'est ben ça en fait, il y en a un qui pop toutes les 3 heures et il y a un gros crâne dans le ciel qui indique la position. Attends, il est où le crâne? C'est, tu l'avais repris le crâne que j'ai laissé tomber? Oui, je l'ai ramené. Okay. Là. Il était parfait. Juste à l'échelle. C'est ces putains de serpents moi qui me font chier. Ah ouais, non, mais il est pas fait chier. Je te laisse le finir, je pense que je vais arriver. C'est résistant en plus. Encore un doré, putain, on a, parfait. On a vraiment de la chance là. C'est bon. Mais on a ramené que 3 crânes, non? Il y en a... Non, 4 avec celui-là. Il y en avait deux noirs là, des villes et infâmes. D'accord. Et il y a eu 2 dorés. Ok. Dans mon souvenir. Ok, bon. Nickel. Ouais, c'est ça, celui-là c'est le 4ème. Eh ben, très bon jet. Hein. La moitié c'est du doré, on peut difficilement espérer mieux. Voilà. Là, pareil, on a 2 villes. Là on a genre 3000-3500 avec ça. Ah bah écoute, c'est pas mal. Ouais, carrément. Derrière on peut aller au nord-ouest. Crescent. Par contre je ferai pas la dernière avec les 4 tout en haut à droite. Non non bah vas-y, de toute façon tu joues le temps que tu as hein, ou que tu veux. Ouais.
Après, genre là par exemple, si t'es pressé que tu veux directement aller rendre et puis pour arrêter, y a pas de soucis. Oh ouais, non, non, mais tant qu'à faire, on va aller à Sunken Grove, au nord-ouest. Yes. Et ouais, on aura le vent dans notre dos. L'avantage, c'est qu'on sera pas loin de l'avant-poste aussi. Aussi, ouais. Moi, Sunken Grove, c'est entre Daggertooth à l'ouest et Gallant's Grave à l'est. Ouais, là, normalement, t'es bien orienté. Peut-être un tout petit peu sur Tribord et après, t'es bien orienté. Ok. J'allais me mettre en haut. Comme ça, je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe. Oh, ça me fait chier pour Marauders quand même. Je verrai quelle heure il est. Ah, c'est pas super noir. Ça fait chier, il n'y a pas une touche comme dans les FPS, t'appuies sur Mage et hop, tu te stabilises. Ah non, ça serait beaucoup trop facile. Attends, c'est quoi là-bas? C'est les tours. Ok. Hier, mon pote, il était trop cinglé, quoi. On a à peine d'acheter le jeu, on vient on arrive, on pop en jeu, on monte à peine sur notre bateau, il me dit « Oh, c'est quoi? Il y a un nuage qui fait un gros crâne. » Je fais « Ouais, on va peut-être éviter. On vient de commencer, dude. » Moi, j'ai vu ce que ça donnait sur des streams. Je pense pas que ce soit pour nous tout de suite, quoi. Ah ouais, non, là, c'était un peu cool, surtout sur un sloop. Hein. À 4 encore, ça se tombe direct, mais à 2... Bah, en soi, en fait, quand c'est que du P2, c'est pas compliqué. C'est long, mais c'est pas compliqué. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a un autre navire qui arrive te faire chier, c'est directement beaucoup plus long. Ouais, ça m'est arrivé sur des forces... Ça m'est arrivé de faire des forces squelettes qui ont duré 3h, 4h. Hein. Ouais, ça m'étonne pas, mais apparemment, moi, de ce que j'ai vu, il y a des fois le pop du capitaine, il est assez long. C'est toujours régulier, c'est toujours une quinzaine de vagues de squelettes. Mais ouais, le truc, c'est que si entre-temps, il y a un galion qui vient te faire chier, bah tu peux pas continuer les vagues, donc tu dois t'occuper des joueurs avant de faire le PvE. Ouais. Et sinon, une forteresse, quand tu connais la technique, en un quart d'heure, c'est torché. Aucune voile à l'horizon? Bah écoute, a priori non. Je scrute un peu le tour, mais... Très bien, ça sera pas merde. Ah, attends. Ça, j'arrive pas à voir si c'est une tour ou si c'est une voile. Ça tangue de trop. Attends, non, ça a l'air d'être une tour. Ok, sinon au pire on arrive là. On va arrêter. Et y'a... presque pas de vagues en fait aux environs des... En fait, je vais te montrer vers là où je regarde. Merde. Ouais, alors là où je regarde, pile poil où je regarde. Bah non, non. Non, c'est une tour. Un truc comme ça, je t'apprends. Ah non, sinon tu prends ta boussole, tu regardes la direction et tu donnes... Ouais, c'est vrai. J'ai pas encore ce putain de réflexe. Non, mais ça viendra au fur et à mesure, t'inquiète. C'est normal. T'as compris, pour le peuple aussi des squelettes, ça fait de la musique quand tu t'approches. Ouais. T'as marqué ça?
Ok. Ça c'est bon. Donc okay, là on fait le tour. Coffre de munitions ici, parfait. Oh. Ah oui, de munitions, d'accord. Ah ok, je les vois. Donc je vais ramener le navire plus proche. C'est pas très loin. Ah bah ils sont là. Plus près. On pourra éventuellement servir des crânes. Je les rapproche. Wow, ouais, c'est les dorés avec des flingues. Commence un peu à les DPS. Pierre, ouais, t'as vu les munitions juste à côté. Ça, oui, cool. Oui, j'aurais qu'à remonter. Hein, c'est... Là, ils sont quand même vachement résistants parce que là j'ai mis les 5 balles en pleine tête. Et il est toujours pas mort. Ah ouais, non mais. Aïe. Ah, je fais trop vite, je fais trop vite. J'avais pas vu l'autre, quel con. Ah, c'est de ma faute, je me suis concentré sur un, j'ai pas vu que l'autre il était dans les arbres. Non, ça arrive. Ça arrive. j'ai presque setup mon avion pour attirer quand même, juste à côté. Ok. Bah, si tu veux, je peux faire comme tout à l'heure, hein. Je prends l'agro et puis tu pilonnes. Ouais, bah, tu veux t'amuser au canon ? C'est marrant. Peu importe. Des squelettes au canon. Vas-y. En espérant que je les touche et que je gâche pas les boulets. Au pire, c'est pas très grave. On va bientôt quitter la session, donc même si on en a rien. Ah merde, j'ai une flingue. Non, je m'en fous, une flingue. Trop haut là en fait, y'a rien pour viser ces chiens. Ah, c'est un coup à prendre, le tir au boulet. C'est vraiment très bien. Il faudra oh, bah, une voilà. Dizaine d'heures avant de réussir à tirer au tir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quoi? Je les vois pas. Putain, il en restait un ici. Si, si, il en restait un. C'est bon. Ça repop. Ce sont des salades. Joli. Très joli. Allez, ils sont tous regroupés là, c'est gratos. Ouais. Non. Trop. Trop. Tiens bon. Ouais, ça va le faire. Mais genre tu t'aimes toi. Ah merde, il y en avait sur le côté, j'avais pas vu. Oh putain, au moment où je les tue en plus. Ouais. Thank you.
Ok. J'en ai déjà tué pas mal là. Bien joué. Ah oui, c'est une autre vague. Oui, oui. Ça a l'air d'être dans... flingue. Ah non, c'est des coches, c'est bon. Ah oui, tu les as bien touché. Merci. Mais écoute, j'essaye de... Ah, derrière toi. Ouais. Ouais, t'es trop bon. Oh, je vais me faire... Oh, putain. Ah, les troncs blancs, ils déconnent zéro. Hein. Alors, on aura plus de canon. Hein. Oh, non. Il en reste plus que deux, normalement. Oh, ça l'a pas tué là. Bon, normalement, il y en a plus. Sauf qu'il y a toujours pas le boss. Il y a encore une nouvelle vague là. Ah, c'est de normaux. C'est des. Ah non, c'est. Et de tout. Si j'attends que ça ait rassemblé. Oh shit. Oh sérieux, je peux pas tirer plus bas là, c'est chiant. Oh propre. Mais bon, y a plus de boulet. Ok. Ok, les boss, c'est bon. La dernière vague. C'est trois feuillus, donc c'est vrai pas pour le temps. Et putain, c'est des flingues. Ah oui, eux, c'est vrai. Ça sert à rien de leur tirer dessus. Bah si, ça sert, mais c'est juste que ouais, ils prennent pas mal de dégâts. Après, toi, c'est une petite technique, en fait, quand t'as des flingues, t'essayes d'avoir un squelette devant toi et les autres derrière. Donc ça, les tirs de derrière, ça va taper le squelette devant. Ah, ils ont du friendly fire entre eux ? Non, ils en ont pas. En fait, ils se bloquent les tirs. En fait, ils font des murs entre eux. Et les balles passent pas au travers. Il me reste des boulets, je crois. Ouais, il m'en reste 7. Vas-y, pas tout de suite, je vais d'abord tirer mes boulets. Yes. Et ensuite on ira ensemble. Ah, ils sont trop proches, les cons! Encore un doré, c'est magnifique. Ouais, là par contre c'est très très chiant. On peut difficilement dire d'y aller. Si, vas-y, à l'épée. Ouais. Voilà, et on essaye d'aligner, comme ça le premier va bloquer les tirs des suivants. Ok.
Ah, le salaud. C'est presque fini, la prochaine fois c'est la bonne. Ouais, je pense. J'ai pu, j'ai tué un ou deux squelettes, je crois, et le capitaine, il s'en est pris plein la gueule, mais il est pas mort. Nickel. De toute façon, ce qui nous pourrit à chaque fois, j'ai l'impression, c'est les ZAD. Oh, putain, il y a un gueule avec nous. Maynard Jax, tu connais? Non. Bah non, c'est juste un mec du serveur qui est mort, quoi. Ah, ok, non, je pensais que c'était un gars qui était genre mort pas très loin de nous, tu vois. Ok, j'allais dire que le mec il vient pas nous carotte pendant qu'on est en train de faire les boss. Allez, on va aller finir. T'as une touche pour nager vite, hein, ouais, le mage. Je pense que je te voyais aller dans le... Bon, c'est le capitaine. Un pec. Eh ben, putain, encore un... On est ultra chanceux, là. Ouais. Écoute, toc. Bon. Vas-y, je vais... On va prendre les dorés en prio, on sait jamais. Oui, enfin, ça devrait aller. Mais, ah ouais, là, putain. Je pense. Doré, deux enfants de ville. Ça, c'est parce que je t'apporte la chance du débutant. Oh, t'as un requin derrière ton cul. Ah, il va me buter, le salopard. J'aurais pas dû y aller. Il va dire... Non, il m'a buté. Ah. J'ai sauté à ta rescousse et au final, j'ai pris cher. Et au final, c'est moi qui survis. Ouais, bah moi, j'avais plus de vie, j'ai été con. On va pouvoir aller vendre. Et là, on arrive à l'avant-poste, il y a déjà deux bateaux, tu sais. Non, déception. Non, on va aller à l'avant-poste le plus chiant du jeu, là. On va aller à Dagger Tooth. La plupart du temps, les gens, ils l'esquivent parce que, ouais, il est très casse-couille. Putain, 4 dorés, 2 infâmes et un vil. On peut difficilement espérer mieux, c'est un des jets les plus chanceux qu'on puisse avoir. Ah non, 4 dorés ça fait déjà genre 4000. Ouais, ouais, on est pas loin de 6000 pièces dorées. C'est bon ça. Y a un truc que je reproche aussi. Ma barre d'XP. Ma barre d'XP. Bah parce que les crânes dorés ça fait XP à mort. Je t'avouerai que je sais pas trop. Allez, quand je fais TAM, moi je vois les réputations. Collectionneur d'or, Ordre des Hommes et Alliance des Marchands, mais... Ouais, voilà, c'est ça. C'est ah, ok. Ça, Ordre des Hommes, et en fait, tu vois, t'as la jauge autour qui se remplit de blanc. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, la jauge. C'est ça, en fait, les levels. Je pensais que t'avais un level fixe aussi. Non, 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 c'est les niveaux des factions, en fait. Ok. D'accord. Ouais, niveau de réputation... Oh ouais, et moi ce que je reproche au jeu par contre, petit défaut mais ça c'est parce que je chipote, je trouve ça dommage, ou alors c'est que j'ai pas trouvé le bouton. Quand tu vas en magasin de ces genres et que tu veux voir des barbes, des fringues, etc, t'as pas une touche d'essayage en fait pour voir la gueule que, t'as, que tu vas avoir. Ouais non, y a pas de preview. Je trouve ça un peu con. Après, à force de jouer, tu verras à peu près toutes les tenues du jeu sur tous les joueurs, tu pourras te faire une idée de laquelle que ça. Oui. Je peux t'en montrer quelques-unes si tu veux. Si on a qui te tente, mais tu sais pas trop si tu veux dépenser ton premier argent. Bah déjà, moi, il y a la tenue Lunmer qui me tente bien, après. Ouais, voilà. C'est la première que j'ai achetée, donc je pourrais te montrer si tu veux. Et au final, il y a quasiment tout le monde qui joue ça. C'est ouais, c'est la plus stylée. Bah Baron, ça a l'air d'être vachement doré bling bling. Ah, j'ai été un peu... Bon, écoute... Ah si. Bah, il y a
Ça a pété qu'une fois, c'est bon. Ouais, ça va. Oh, mais là, c'est nickel. On peut directement y aller. Donc, ouais, sur cet avant-poste, c'est un peu chiant. C'est par là. Ouais, faire le tour. Ouais, ouais, voilà. Faut monter, là, c'est... De toute façon, les crânes, ça a la tente un peu bleu-violette. Oui, c'est ça. Avec la vieille Oprah, là, qui ressemble à rien. Alors, 1002... Un très bon jet pour l'un, un très mauvais pour l'autre. Bon, après, 900, ça va, on va pas se plaindre non plus, quoi. Ah, pour un sordide, moins 2000, ça fait chier. Je ramène encore un. Ah, putain, un absent. Ah, là, tu vois déjà 400 gold de différence entre celui que je viens de vendre et le tien. Ouais, ça va. Différence, hein. Tu l'as vendu 50% plus cher, le chat. Ouais, tu l'as. Ouais, ok. Alors, on n'a plus rien à ramener. Ouais. Ok, du coup. Oh, 197 celui-là. Ouais, c'est un crâne 2 sur 4. Bah écoute, moi je viens de passer rang 13 là, c'est pas dégueulasse. Ah ouais déjà ? Mais ouais. C'était quoi tes niveaux ? Donne-moi tes niveaux. Alors, je suis collectionneur d'or, je suis rang 6, ordre des âmes 13 et alliance des marchands 1. D'accord. Alliance des marchands, je crois que j'en ai jamais fait, c'est le truc où tu rends des pots, des trucs comme ça, non ? Ouais, enfin ouais, où tu, en fait tu ramènes des animaux, ou sinon si tu... Enfin comment dire ? Tu peux trouver des caisses de thé, d'épices, de sucre ou de soie ouais, de partout. C'est ça, ouais, les bons marchands, ça fait pex. Ok. Comment dire. T'as XP, mais du coup, t'as acheté les rangs supérieurs de quêtes. Tu l'as déjà fait, ça. J'ai rien acheté de tout ça, mais ouais, j'ai vu que ça, qu'il existait, ouais. Je pense que je peux en acheter quelques-uns. Ouais, non. Tous les 5 niveaux, en fait, tu peux passer au rang suivant chez les factions. Ok. Du coup, là, viens voir pour le collectionneur d'or. Ça, il faut le faire, en fait. Sinon, tu stagnes dans des quêtes de rang inférieur. D'accord. Donc, ouais, lui, par exemple, vu que t'es niveau 6, tu peux acheter le premier rang. Dès que t'es dessus, en fait, t'as un rang qui te vend 100 PO, je crois. Alors, hop, voir ce que vend le collectionneur. Forban d'or, ouais, 100. Donne accès au voyage de Forban. C'est ça. Okay. Donc ça, tu peux l'acheter direct. Hein. Ok, parfait. Le prochain saut en 10. J'imagine qu'il faut que je fasse pareil chez la vieille. C'est ça. Du coup, tu pourras acheter deux rangs chez la vieille. Le rang 5 et le rang 10. Coffre d'équipement, non pas équipement.
Accessoire. Ah, le prochain saut en 15, ouais. Oula, mon jeu a un petit freeze. J'espère que ça va pas planter. Qu'est-ce qui se passe, Narso? Ouais, parce que là, moi j'ai rien du tout, donc. Ah non, c'est bon. Alors ici ils vendent des armes. Farewell. Ici ça va être les fringues. Tiens. Attends, toi toutes tes armes. Ouais. Regarde, tu peux te monter, je peux te montrer ce que donne le full set lunaire. Ouais. Je suis là. Voilà, c'est ça. Ouais, lunaire. Il est sympa. J'ai encore frisé là, putain, qu'est-ce qui se passe là? Il est sympa et j'ai vu qu'il y avait lunaire rituel aussi. Ouais, lunaire renégat. Ouais, c'est ça, renégat. C'est, ça a l'air stylé vu comme ça, mais en fait, ouais, pas trop. Mais il faut être level 36 en ordre des âmes pour pouvoir l'acheter, donc c'est pas pour tout de suite. Effectivement. Enfin voilà. Bon, je pense que t'as déjà vu et compris du coup pas mal de trucs du jeu là. Ouais, bah écoute, pour un début, ouais, je suis pas déçu là. Il restera les quêtes marchandes surtout. Et le reste, c'est des petits trucs par-ci par-là à apprendre au fur et à mesure des sessions de jeu. Ouais, de toute façon, ça s'arrête avec, ben voilà. Avec le temps, je pense. C'est ça. Ah ouais, donc bon, là ma console n'en peut plus. J'enchaîne freeze sur freeze. Je vais vite l'éteindre avant qu'elle n'explose. Ouais, bah du coup, bah merci pour cette session. C'était sympa. Bah, merci à toi. C'était, oui, c'était plutôt cool et enrichissant, dans tous les sens du terme. C'est ça, et plein de pognon, surtout. Ah, c'est ça, enrichissant. C'est le... Bah oui, c'est le plus important. Bah du coup, bah, peut-être à tout à l'heure, hein, t'as qu'à me dire. J'aurai sûrement une place dispo, donc si t'es seul, tu veux venir. Y a pas de problème. Avec plaisir. Bon allez. À tout à l'heure, là. Ciao, ciao. Alors, 11 000, qu'est-ce qu'on pourra acheter avec 11 000? Le fond de cale, c'est un peu pourri, j'ai l'impression. Et le problème, chemise de baron, chemise de loup de mer. Ah, ok, la veste coûte plus cher. On va peut-être se contenter que de la chemise, pour l'instant, du coup. Ah ouais. Ouais. Donc la veste coûte trop cher, ça on est d'accord. 13 000 et quelques, ouais, on n'est pas assez argenté pour l'instant. Pantalon de loup de mer. Déjà, je suis sapé comment? Ouais, c'est bien ce que je me disais, je suis sapé pouilleux. Alors, le problème, c'est que si je prends la chemise... Bon, écoute, on va faire comme ça. Hop! Et on va prendre un futal aussi.
Ou les bottes. Non, on va prendre le pantalon. Voilà. Et donc, coffre à vêtements, ouvrir. Ah, mais j'en avais là déjà, veste de marin. Non. Non, je veux enlever. Ah, ok, d'accord. C'est pas super intuitif, mais... Ah, ok, là on peut tout enlever, d'accord. Chapeau, on va pas mettre. Là c'est quoi? Chemise de marin. Non. On va mettre loup de mer. Ceinture, on n'a pas. Pantalon, mais loup de mer. Bottes, on a les sandales de crasseux. Robe, oh non. Ça, on va mettre, hein, ça peut toujours. Alors, logiquement, on devrait ressembler un peu plus à quelque chose. What? Ah, c'est un éclair, certainement. Voilà, donc du coup, pour ceux qui sont toujours sur le stream, c'est sur ces dernières images que on va s'arrêter là, et pour peut-être revenir tout à l'heure. Voilà, allez, petite pause pour moi, des bisous à tous, et peut-être à tout à l'heure.